Je m'appelle Julien Delumeau, j'ai 38 ans et bientôt 39. Et mon objectif, en fait, c'est de vous aider à redécouvrir la joie d'être soi. Alors, je n'ai pas toujours été dans le milieu de la spiritualité, je le précise, bien que j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement intuitif, d'extrêmement sensible. À peu près enfant, etc., j'avais beaucoup d'intuition, de sensations, mais je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. J'ai suivi un cursus assez classique finalement d'élèves. Cependant, assez jeune, j'ai vécu pas mal de harcèlement scolaire hein, dès l'âge de CM1 et puis ça a empiré jusqu'à la troisième où là j'ai dû changer en fait d'établissement scolaire. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que je ne comprenais pas que les gens pouvaient faire du mal aux autres. Voilà, ça me paraissait complètement dingue. Et donc je me suis renfermé sur mes études. Je me suis coupé de mes émotions et de mes ressentis. Et donc j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur en génie biologique en 2005. J'étais étudiant à l'université de technologie à Compiègne, pas très loin de chez Véro. Et j'ai démarré une carrière dans l'industrie de la santé et plus particulièrement l'industrie du cœur, ce qui peut vous faire sourire. C'était un hasard. J'ai décroché un job dans une société qui faisait des stimulateurs cardiaques, des pacemakers et des défibrillateurs implantables. Voilà. Et mon job a été assez vite dans l'évaluation clinique, donc avant la mise sur le marché. Et aussi vite, ce job ne m'apportait pas de satisfaction profonde. C'était boulot métro dodo. Et très vite, je trouvais pas de sens à ma vie. Donc, j'ai fait ce job en France pendant 4 ans. Ensuite, j'ai été débauché par un concurrent. Là, je suis parti vivre à Bruxelles. Et arrivé à Bruxelles, ben voilà, il y a l'excitation du nouveau job. Et puis, assez rapidement, pareil, le même questionnement se pose. Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Quelle est ma place? Avec quand même, dans les équipes avec lesquelles je travaillais, une certaine bienveillance, une certaine curiosité. Et les gens avaient envie de venir me confier leurs soucis. Du coup, je passais pour la commère du bureau, ce qui n'était pas le cas. Mais j'attirais les gens qui avaient des soucis, qui venaient vers moi et je les apaisais inconsciemment sans m'en rendre compte. Et en 2010, donc c'est à faire 11 ans, à peu près en mars 2010, un matin je me suis réveillé et en fait je voyais les énergies, je voyais les entités dans ma chambre. Là je me suis dit j'avais peut-être fumé un truc la veille ou bu un truc à l'insu de mon plein gré et en fait c'était pas réel. Et en fait c'était bien réel. Et j'allais faire mes courses, je voyais l'aura des gens, je voyais leurs anges gardiens, c'était cool, c'était assez marrant. Bizarrement, au boulot, ça n'arrivait pas. Et donc, c'est une médiumnité qui est arrivée en mars 2010. Et je suis allé voir à l'époque Jacqueline Jeanne, que certains d'entre vous connaissent, qui est sur Poitiers, pour comprendre ce qui m'arrivait, parce que voilà, ça m'est tombé un peu dessus comme ça. Et depuis 2010, j'ai commencé à accompagner les personnes en parallèle de mon travail. Et j'ai développé cette médiumnité, cette sensibilité en aide avec l'autre. J'ai continué mon tour du monde. Après Bruxelles, je suis parti vivre en Chine pendant un an et demi à Shanghai en 2012. Toujours, voilà, pas très heureux dans mon job, mais le fait de bouger, de voyager beaucoup, de rencontrer des gens, d'avoir l'opportunité de voyager m'a beaucoup aidé. J'ai quitté la Chine en 2013 et je suis arrivé aux États-Unis en 2014 et je suis resté jusqu'en mai 2015. Et je suis rentré en France, donc il y a 6 ans. Pareil, toujours recherche de sens, pas bien. Et j'ai fini par tellement en avoir marre de mon job, devant mon écran, à vraiment plus pouvoir travailler, à la limite du burn-out, avec des gros problèmes d'éthique, qu'en mai 2019, je suis passé à plein temps dans cette activité. Voilà. Et mon objectif, c'est vraiment de remettre de la joie dans la vie, de remettre le cœur au centre de qui vous êtes. Et dans la façon dont j'accompagne les gens, c'est vraiment de vous aider à soigner vos blessures en vous apprenant à libérer le potentiel d'auto-guérison qui se trouve dans votre cœur. Et c'est l'objet vraiment de cette conférence, c'était de vous montrer que bah, la période que nous vivons est assez remuante pour ça. C'est qu'aujourd'hui, fini de nous cacher derrière qui nous ne sommes pas, fini de jouer des rôles qui ne nous correspondent pas, sentons bien qu'il se passe quelque chose et que l'univers nous demande d'être pleinement authentique avec nous-mêmes. Et c'est seulement en ouvrant nos cœurs que nous pourrons être authentiques avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà. Donc, effectivement, pourquoi est-ce que nous perdons ce sens, hein, en tant qu'enfant, nous le voyons bien. Hein, les enfants aujourd'hui, beaucoup d'enfants hypersensibles, hyperactifs, qui viennent chambouler le système éducatif, etc., parce qu'ils ne correspondent plus, hein, aux énergies actuelles. Eh bien, enfin, nous sommes dans notre cœur, nous sommes dans cette joie en général, ça dépend de l'enfance que nous avons, hein, mais l'enfant a cette naïveté, cette innocence.
Et cette connexion, en fait, au cœur naturel, il va pas se censurer, il n'a pas encore l'ego qui a pris beaucoup de place. Et à partir de 7 ans, qu'on appelle l'âge de raison, c'est là que eh bien, le mental hein, prend et l'ego prennent le pouvoir et qu'en fait, peu à peu, l'enfant va se débrancher de qui il est et va rentrer dans des moules. Voilà. Il y a aussi tout un processus qu'on va voir. Hein. Il y a notamment bah, l'âge qui passe et le fait d'être dans une société où il y a peu de place pour la spiritualité. Il y a également bah, des événements moins sympas. Hein. Il peut y avoir des traumas mineurs, majeurs dans l'enfance, des chocs émotionnels. Moi, je parle du harcèlement, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fermé complètement à l'autre. Il va y avoir également tout ce qui va être mémoire familiale. Hein. Souvent, bah, dans les familles, il y a des choses qui se passent de l'un à l'autre. Mémoire karmique, donc ça, c'est pour les personnes qui croient à la réincarnation. Et on traîne des choses et en fait, petit à petit, bah, on est complètement tellement blessé que le cœur se ferme et nous vivons en mode automatique. Voilà. Et ce que j'appelle le mode survie, hein, c'est vraiment ça. En fait, je ramène tout à moi. Hein, vous voyez les flèches jaunes. Vraiment, je ramène tout à moi. Mes cinq sens sont limite voraces et veulent chercher à l'extérieur le bien-être que je ne trouve pas à l'intérieur de moi. Donc, les symptômes vraiment de ce mode automatique, c'est on est fatigué. On est stressé, on ne se sent pas bien. Beaucoup de peur, beaucoup de doutes, on ne sait jamais quoi faire, on n'ose pas avancer. Vraiment, les personnes que je vois arriver sont au bout du rouleau, et particulièrement en ce moment avec ce que nous vivons. Et en fait, c'est parce que nous sommes complètement éloignés des lois de la vie, c'est-à-dire que nous sommes construits sur l'extérieur, alors toutes les réponses sont à l'intérieur. Hein, nous avons l'ego et nos cinq sens bah, qui ramènent tout à moi et du coup on voit tout sous un filtre négatif souvent. Et souvent nous prenons l'univers pour ou le monde ou les gens pour des méchants et qui nous attaquent tout le temps. Et le positionnement victime, nous verrons plus tard, est très présent dans cette réalité-là. Bien sûr, énormément de jugement, hein, puisqu'on va toujours aller regarder chez le voisin, chez l'autre, ce qui ne nous plaît pas, en fait, ce que nous ne voulons pas avoir en nous. Et il y a cette dualité, c'est-à-dire moi, les autres, les gentils, les méchants, le bien, le mal, etc. Et il y a vraiment une séparation en fait de soi, entre son mental et son âme. Là, l'âme, elle est carrément en prison, elle ne peut même plus s'exprimer. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus de cohérence dans vraiment l'être humain. Hein, là, nous tombons vraiment au plus bas de ce que l'être humain peut faire. Forcément, dans cet état-là, je suis en réaction permanente. Hein, puisque je subis dans mon inconscient, j'ai mes mémoires bah, de traumas émotionnels non réglés, etc. Et l'extérieur va venir stimuler ce que je n'ai pas réglé. C'est l'objectif de l'humain, hein, c'est en fait de régler toutes ces mémoires pour pouvoir nous en libérer au cours de notre vie. Et en fait, l'extérieur va venir stimuler en permanence. Et dans ce mode-là, je réagis soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur, soit émotionnellement. J'ai pas le choix de l'action. Hein, mon corps, il part tout seul, mes mots sortent tout seul. Des fois même, je deviens violent ou je m'énerve, etc. Mon corps me contrôle, je ne contrôle absolument rien. Et de ce fait-là, comme je vis dans l'ego, bah, je suis soit prisonnier du passé. Puisque en fait, toutes mes mémoires, mes chocs, voilà, bah, je ne peux pas tomber amoureux, ou j'ai trop souffert, ou aimer c'est pourri, ou tout le monde est méchant, etc. Et en fait, ce passé, hein, tout ce que nous enregistrons avec le mental, il nous le repasse sous forme de film, et bah, je suis prisonnier de ça. Ou le futur, je veux ci, je veux ça. Et en fait, on ne s'arrête jamais. L'ego, en fait, sachez-le, n'est jamais satisfait et ne sera jamais satisfait. Donc c'est la petite voix un peu négative qui va toujours dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, qu'on peut entendre parfois. Et c'est vraiment une prison. Donc qu'est-ce que les gens font? Bah, comme nous avons peu encore, heureusement, depuis quelques années grâce aux associations, la parole sur la spiritualité se libère hein, dans le monde occidental, en France en particulier, où tout ça, c'est quand même pas très très bien vu par la société hein, qui commence à admettre que bah, il n'y a pas que la matière. Ça crée beaucoup de dépendance. Donc, j'ai des personnes qui vont venir et qui vont être
dans des drogues, par exemple, qui vont être dans du cannabis, etc., de l'alcool, des addictions, quoi. Le mental va essayer de combler ce mal-être par l'extérieur. On est toujours dans le même schéma, extérieur vers l'intérieur, la loi de la vie complètement inversée. Et donc, voilà, je vais boire, je vais fumer, je vais me droguer, je vais faire beaucoup de sexe, je vais beaucoup manger sans m'écouter. Et ça crée vraiment un mal-être, en fait. On est vraiment malheureux. Et si nous ne nous écoutons pas, en particulier, nous allons le voir avec le changement énergétique actuel, ça va très, très vite maintenant à se manifester corporellement. Donc, je vois de plus en plus de gens qui font des burn-out. Ou même des maladies graves. Hein. Ce qui se passe, c'est que tout ce vécu inversé, le fait que nous soyons fatigués, que notre énergie soit dépensée à tort et à travers dans tous les sens, fait que notre corps, il n'en peut plus et à un moment, il lâche. Et c'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens qui ont des maladies qui se déclenchent, des cancers, etc. De nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, l'énergie de la Terre était beaucoup plus faible, donc on pouvait être à côté de ses pompes toute sa vie. Pas forcément très heureux, mais la manifestation corporelle était beaucoup plus lente. On peut mettre 10, 15, 20 ans à déclencher quelque chose. Là, aujourd'hui, c'est quasiment instantané, hein, puisque la Terre a changé, on va voir. Donc voilà un peu sur le mode survie. Voilà, pour l'avoir vécu, friser le burn-out, je ne suis pas le seul. Je crois qu'il y a un moment donné où il est important de nous écouter, mais nous ne savons pas comment faire. Et par-dessus le marché, donc ce qui explique qu'aujourd'hui les changements soient importants. Nous voyons aujourd'hui, moi j'aurais jamais pensé voir le monde entier arrêté, frontières fermées, plus d'avions, plus de vacances, plus de choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce que le changement de paradigme? Tous les 200 ans à peu près, l'humanité teste une nouvelle façon de fonctionner. Tous les 2000 ans, pour des grands cycles, là, l'ère du poisson, c'est à peu près 2000 ans. Et nous testons une nouvelle façon d'être ensemble en société. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? L'ère du poisson a démarré à peu près avec l'arrivée du Christ, qui ramenait quand même de l'amour dans un monde qui, à l'époque, en manquait cruellement. Il est venu avec d'autres personnes avant lui, hein, d'autres grands sages, il y avait Bouddha avant, etc. D'autres grands sages essayaient de mettre le cœur en avant. Et assez rapidement, le message a changé. Nous avons expérimenté déjà aujourd'hui enfin, donc je dirais que c'est une ère qui dégénère le système autour de nous, c'est qu'il n'y a plus que l'individu qui compte. Hein, nous sommes à la fin vraiment de ce système capitaliste où c'est moi avant les autres. Et il y a une telle individualité que la société en est malade. Malade de ça complètement parce qu'il y a vraiment une cassure du lien social qui reste quand même présent. Il y a des choses qui se mettent en place. Nous sommes dans cette structure pyramidale où vraiment nous déléguons notre pouvoir à d'autres personnes. Ce qui permet de bien faire circuler, de bien faire tourner la victime, le bourreau et le sauveur. Hein, parce que là, on met un président, par exemple, en France, tout le monde est là, ah, gna, 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 gna. Oui, mais sauf que votre pouvoir, il est à vous. Hein. Nous avons donc vraiment pris l'habitude de déléguer notre pouvoir et d'attendre que tout vienne de l'extérieur. On est vraiment dans la perversion de ce mode-là et les gens, bien sûr, en haut, se servent abondamment. On le voit là avec la crise Covid. Il n'y a jamais eu autant de pauvres, mais les milliardaires s'en sont mis tellement plein les fouilles que ça devient indécent. D'accord? Il n'y a plus de circulation de l'argent dans la société, ça reste bloqué. De plus en plus, l'écart va se creuser et ce n'est pas soutenable pour notre société. Parce qu'il n'y a plus de redistribution de richesses. D'accord? Après, l'humanité avait ça à expérimenter. Parce que malheureusement, en mettant des gens en haut, un, ça nous déresponsabilise. Et deux, ils se sont dit, c'est cool, on est en haut, on va se mettre dans les poches. Voilà. Ça rejoint le patriarcat, hein, où nous avons vu les ravages, notamment sur les femmes. La parole se libère énormément aujourd'hui et heureusement, sur tout ce que les femmes ont pu vivre. Comme brimade, comme écrasement, comme abus, et on voit maintenant beaucoup de choses sortir sous l'inceste, il y a vraiment eu cette croyance que l'homme avait pouvoir sur tout et était seul maître en la demeure. Et donc, c'était, voilà. Et les femmes ont été à la fois spirituellement dans les religions, à la fois dans les mythologies, si on regarde vraiment, il y a eu une dégradation assez forte depuis quelques milliers d'années.
où quelque part l'homme et la femme étaient à l'équilibre et où en fait l'homme a pris le pouvoir, notamment une réflexion que je me suis faite, hein, si on regarde dans la mythologie proche de nous, grecque et romaine, les dieux couchent avec tout le monde, avec leurs enfants, etc. Donc ça conditionne un inconscient collectif sur le fait que l'homme, il fait un peu ce qu'il veut avec tout ce qui passe. Hein? On s'en rend pas compte, mais voilà. C'était aussi l'ère des grands sages, et donc avec ça, la relation maître-élève, où pour la spiritualité, en tant qu'élève, il fallait nous trouver un maître, il fallait suivre les préceptes de ce maître, suivre les méthodes de ce maître, et essayer de les appliquer à notre échelle. Et c'était pareil dans le pyramidal, c'est le maître est waouh, spirituel, intouchable, et nous, pauvres humains que nous sommes, nous essayons de suivre derrière un maximum, en nous accrochant et surtout en appliquant les méthodes du maître. D'accord? Ça a donné bah, toutes les religions qui nous ont aussi mis dans des boîtes. Et ça, nous allons le voir, ça a fonctionné, ça a tenu son rôle. Aujourd'hui, l'univers nous demande autre chose. Le poisson étant un signe d'eau, nous avons expérimenté toutes les médecines et les traditions de guérison par l'eau. Hein, tout ce qui était tisane, plantes, et puis ensuite l'invention des médicaments, tout ce qui est thalassothérapie, les bains, etc., toutes ces villes de thermales, ça a été l'occasion d'utiliser le pouvoir régénérateur de l'eau dans cette ère, et ça aussi, c'est en train de changer. Et pour terminer, je pourrais dire beaucoup de choses et vraiment passer beaucoup de temps là-dessus, mais nous sommes enfermés dans ces consciences nationales, hein, dans cette délégation du pouvoir, dans la structure pyramidale. L'humanité s'est coupée, nous nous sommes retrouvés mis dans des frontières complètement artificielles, et les humains se sont mis à se qualifier ben voilà, de Français, d'Allemands, de trucs, et bon, on voit un peu ce que ça a donné au niveau du collectif. Nous avons eu quand même des guerres mondiales extrêmement meurtrières au XXe siècle. Et ce nationalisme, en fait, a mis un voile sur le fait que nous sommes tous humains sur Terre. Et ça nous a coupés les uns des autres. Et en même temps, c'est pas mal, puisque c'est l'expérimentation du diviser pour mieux régner. Hein, l'humanité s'est retrouvée enfermée dans ses frontières. Et en divisant les humains, en les montant les uns contre les autres, ça en a rangé certains. Et nous nous sommes aussi tout à fait laissés faire. Donc la responsabilité est complètement partagée. C'est à nous aussi de dire stop. Alors, bah, où est-ce qu'on va? Nous allons vers notre ami le Verseau. Alors, le Verseau, bon, certains disent que ça a commencé, je ne sais pas, mais c'est en train d'arriver, en train de s'installer. Et on voit bien, c'est de l'eau versée dans l'air. Donc, ça crée cette espèce de magnétisme, cette espèce d'électricité que certains qui sont sensibles peuvent sentir. D'accord? Et l'ère du Verseau, eh bien, à l'inverse du poisson, c'est l'individualité dans le collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, je crois, 8 milliards d'êtres humains sur Terre et que tout le monde est différent. Chacun apporte sa pièce à l'édifice de l'humanité et que c'est en faisant rayonner qui je suis vraiment dans le collectif que je vais pouvoir m'épanouir. Et donc, c'est l'ère du réseau. D'accord? Moi, je pense en tant que thérapeute, je sais que je suis spécialisé sur le cœur. J'ai un réseau de personnes avec lesquelles je travaille. Si je sens que la personne n'est pas bonne pour moi, n'est pas adaptée à ma façon de travailler, je peux l'orienter vers quelqu'un d'autre. Ce sont des réseaux comme les associations là aujourd'hui, hein, voilà, dans le cœur, dans le partage qui se rencontrent. Bah, c'est un réseau et qui utilise l'intelligence, dire bah voilà, j'ai envie de partager ça, ou je ne suis pas la bonne personne. Et donc d'utiliser les talents de chacun au maximum. Donc, vous voyez, c'est un changement radical. Ça, on le voit, par exemple, dans les oasis ou les îlots de prospérité, hein, comme les mouvements colibris, etc., où les décisions sont prises en collectif, où il y a vraiment une prise en compte de tout. Et c'est surtout l'harmonie. C'est-à-dire que l'humain était tellement arrogant qu'il s'est mis au-dessus de la nature, au-dessus de la terre. Nous avons complètement perdu le lien avec la nature, hein. Il y a les agriculteurs qui balancent leurs pesticides qui sont en combinaison de Tchernobyl. Contrairement, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un monsieur qui s'appelle au Mexique qui parle à son maïs, etc. Il met aucun produit et ça pousse même mieux que nous avec tous les produits chimiques. Voilà, c'est vraiment, je suis aussi, je fais partie de la Terre. Donc dans ce collectif, j'inclus la Terre, la nature, les arbres, les êtres vivants. Ils sont aussi vivants que nous, différemment, à un autre niveau de conscience. Mais ça ne veut pas dire que nous devons nous mettre au-dessus de tout ça. Voilà.
Donc, ces structures horizontales, on le voit dans certaines entreprises où il y a une implication plus grande des personnes, où les décisions sont prises collectivement parlant, et il n'y a plus un chef qui parle et on se tait. C'est tous, nous débattons ensemble en collectif et nous mettons en place selon l'avis de chacun. Ce qui n'est pas évident, nous sommes en train de chercher ça. Hein, ça va mettre du temps à trouver la bonne manière de faire. Ça explique aussi l'essor des réseaux sociaux, hein, où chacun en fait a envie de donner son avis sur tout. C'est vraiment l'ère du temps, c'est que chacun a un avis à donner, il n'y a pas une vérité. Chacun a sa propre vérité à partager. Du patriarcat, nous passons vraiment à un équilibre yin-yang, et ça passe par la restauration vraiment du féminin sacré en chacun de nous, que nous soyons femmes, que nous soyons hommes, et dans la libération de tout ce que nous avons pu brider. Hein, en tant qu'homme et en tant que femme, dans cette capacité à ressentir. Nous allons le voir, il y a un niveau de conscience qui est en lien avec le yin et avec le yang. Je préfère yin-yang que masculin, féminin, sacré. C'est moins connoté. Et de aussi comprendre que yin-yang, et ce n'est pas le yin et le yang, c'est la même énergie, mais qui se manifeste dans une polarité et dans une autre. Et nous avons besoin de retrouver cette fluidité. Voilà, les hommes ont le droit d'être sensibles, les femmes ont le droit de s'affirmer et d'être sensibles, sans être dans cette revendication qu'elles ont dû utiliser pour se faire reconnaître. Elles tombaient dans un masculin presque perverti. Elles n'avaient pas le choix que de monter et d'être dans la colère pour défendre leurs droits, tout simplement. Au niveau maître-élève, et ben en fait, nous sommes tous des maîtres dans l'ère du Verseau. Chaque humain est un maître en devenir. Aujourd'hui, nous avons un énorme soutien, des guides, des aides de lumière pour nous aider tous à monter. Et chacun va monter à sa manière. C'est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de recettes de cuisine toutes faites. On ne peut pas appliquer, moi je le vois en clientèle, je ne peux pas appliquer la même méthode à tout le monde, ça ne marche pas, c'est plus possible puisque chaque personne est différente. Donc l'approche, c'est ben, comment je fonctionne moi. Et du coup, ben, d'ajuster à la personne qui vient, comment est-ce qu'elle fonctionne, de comprendre comment je fonctionne. Ça va être important. Que chacun comprenne son fonctionnement. Voilà. Au niveau de la guérison par l'eau, bah, l'élément air du Verseau, c'est vraiment l'air des vibrations. Hein, nous le voyons depuis pas mal d'années maintenant. Il y a beaucoup de travail qui se fait, des publications qui se font sur le pouvoir du son. Hein, vous connaissez peut-être, je crois que ça s'appelle Mitch Gaynor, et c'est un cancérologue aux États-Unis qui est décédé maintenant. Mais qui, par un de ses patients qui était tibétain, il l'a initié au pouvoir du bol et il apprenait à ses patients à se servir d'un bol et il leur demandait de méditer, d'utiliser le pouvoir du bol et il avait des taux de survie de ses patients pour des cancers graves bien plus élevés que ses collègues. Il y a beaucoup de choses sur voilà, les cloches, les bols et puis la transmission d'énergie, le pouvoir vibratoire. Hein, on parle de tout ce qui est soins quantiques. On va le voir, tout est vibration. Donc, c'est un changement. On passe de l'eau, le aqueux, hein, les fameux vaccins extérieurs, bah, ces phases aqueuses. Ça, bah, aujourd'hui, l'humanité a besoin de soins par la vibration, par les ondes. Et bien entendu, l'idée de l'ère du Verseau à terme, hein, on a encore du temps avant d'y arriver, mais c'est de retrouver cette conscience planétaire, cette conscience que l'humanité. Et tout ensemble, et qu'il n'y a plus les blancs, les noirs, qu'il n'y a plus les jaunes, les verts, les rouges, je ne sais quoi, ou les français, en gros. Nous sommes tous humains, nous sommes tous sur la même planète, nous vivons la même destinée, et l'idée, c'est de nous entraider pour avancer ensemble, et de ne plus nous laisser nous diviser, mais en nous réunissant, d'accomplir cette belle destinée et cette belle mission qui est celle de la Terre, c'est d'arriver à incarner pleinement. Notre potentiel dans cette dimension extrêmement lourde. Voilà. Effectivement, tout est vibration et ça s'accélère. L'énergie de la Terre monte en flèche, alimentée par le Soleil, par voilà nos amis. Là-haut, et du coup, ben, tout est en vibration. Nous devons prendre conscience en tant qu'humains que tout ce qui m'entoure, tout mon environnement va nourrir ma vibration. D'accord? Donc là, on voit ma vibration équilibrée. Ben, je reçois ma vibration du ciel
qui est, bah, c'est mon âme, hein, c'est l'être d'amour que je suis venu ici incarner, qui descend dans le corps. Je suis donc aussi mon corps, je suis mon cerveau, je suis mon cœur, et je suis bien sûr en lien avec la terre-mère. Il est fondamental de garder ce lien avec la terre-mère. Et qu'est-ce que la terre et la nature m'apportent? Donc, nous sommes sur cet axe. Voilà. Et qu'est-ce qui va impacter ma vibration? Qu'est-ce qui peut me faire dévier de mon axe? Et à l'inverse, comment moi j'interagis avec les autres? Ben, il y a l'inconscient collectif, là qu'on voit à gauche. L'inconscient collectif, ça peut être l'inconscient collectif de l'humanité depuis l'arrivée de l'humanité sur Terre, ça peut être l'inconscient collectif français, etc. Nous sommes extrêmement influencés par l'inconscient collectif. En ce moment, vous le voyez, l'inconscient collectif est bourré de peur. D'accord? Donc, voilà, j'étais abonné à un journal, j'ai arrêté, parce qu'en gros, en une, c'était des gens masqués, tous vaccinés, vite, vite, on a peur, voilà, on a peur de la mort. Ok, mais du coup, c'est extrêmement plombant. Beaucoup de personnes sont paralysées, sont affectées par cette peur, et ça bloque complètement. La peur étant la vibration la plus basse, fait qu'énergétiquement, en fait, votre potentiel ne s'exprime plus. Vous êtes complètement soumis à cette peur et n'importe quelle énergie vous emporte en fait. Hein. Voilà. Il y a l'inconscient familial qui est très à la mode en psychogénéalogie. Pourquoi? Parce qu'il y a 10, 15, 20 ans, l'énergie n'était pas aussi forte, donc ça ne comptait pas. Aujourd'hui, ce qu'a vécu votre lignée, ça nous le verrons aussi plus en détail plus tard, peut se réveiller, vous influencer et vous faire basculer. D'accord? Donc il y a des comportements, des schémas qui dans notre inconscient de relations de couple, par exemple, ou autres, qui vont vraiment bah, nous faire tomber de notre axe et nous débrancher de qui nous sommes. Nos pensées, nos paroles, puisque tout est vibration, tout est énergie, hein, donc tout ce que vous allez penser de positif va nourrir positivement votre énergie, vous faire monter en vibration. Tout ce que vous allez dire de positif, ben vous allez aider les personnes en face de vous, vous allez vous aider vous-même. À l'inverse, tout ce qui va être négatif, de rumination, etc., ben ça va venir envahir votre champ énergétique et vous plomber. Et pareil pour les paroles. Ben, toutes les paroles qu'on peut dire sous le coup de la colère ou de l'émotionnel, et ben ça reste dans notre champ énergétique. À un moment donné, il faut faire le ménage. Et du coup, nous étouffons complètement si nous ne prenons pas soin de cela. Et bien sûr, les relations aux autres personnes, hein, si nous sommes en relation avec des personnes positives dans notre environnement qui nous font du bien, ça nous tire vers le haut. À l'inverse, c'est des relations plus compliquées, plus complexes. Nous avons du mal, nous sommes dans des liens, dans des schémas, et nous le verrons aussi avec le fameux triangle victime-bourreau-sauveur, bah, ça nous tire aussi vers le bas. Donc il y a vraiment, comme chacun a sa propre vibration, que tout le monde a sa place, hein. Même des personnes qui peuvent nous avoir fait du mal, nous ont fait avancer, nous ont fait grandir, chacun a sa place. L'idée, c'est de trouver sa place pour que notre vibration s'exprime au mieux dans tout ça. On voyait un peu tout ce qui peut vraiment nous perturber, voilà, nous faire tomber de notre chaise. En plus, pour simplifier et pour rajouter au travail et à la complexité de ce que nous vivons en tant qu'humains aujourd'hui, nous passons du temps linéaire au temps quantique. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'avant, on avait le temps linéaire passé, présent, futur. C'est-à-dire que bon, pouvait se passer quelque chose dans notre passé. Bon, c'était loin. C'était peut-être que ça nous plombait, ça nous influençait, mais l'impact était minime. Hein. Au niveau du présent, bon, on était bien, on pouvait se projeter dans le futur un peu, et le temps était plus lent. Hein. Ce passage, on le sent par l'accélération du temps. On a l'impression que les journées, mais que les mois, les semaines passent extrêmement vite. C'est ce qui se passe avec ce temps quantique. Et qu'est-ce que c'est que le temps quantique? C'est qu'il y a plus qu'un endroit qui est le présent. Et dans ce présent, je suis à la fois mon passé, mon présent et mon futur. Je suis tout à la fois. Donc imaginez si vos mémoires familiales, vos mémoires karmiques, vos mémoires émotionnelles non réglées de cette vie, de toutes les vies d'avant, n'ont pas été réglées, vous tombent dessus, ben il y a de quoi aller mal. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est que ce temps est raccourci et mis à un endroit pour que nous prenions conscience de tout ce que nous portons qui n'est pas nous. Et peu à peu, en enlevant des couches, de pouvoir libérer. Et en même temps, nos potentialités futures sont là. Donc, ça veut dire que nous avons accès à toutes nos potentialités passées et futures. Il n'y a pas que le négatif, heureusement. Il y a aussi ce côté où, ah, bah, j'étais thérapeute dans une autre vie, ou tiens, j'ai suggéré ça dans une autre vie, est-ce que je peux faire revenir cette info? Ça vient directement. Voilà. Donc, le temps linéaire était une illusion, de notre troisième dimension. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer de plus en plus à un moment où tout est là. Donc, ça explique le stress, ça explique l'intensité de la crise. On va dire hystérie collective que nous vivons,
c'est qu'en fait, c'est extrêmement puissant puisque tout est potentialisé avec le fait que tout est vibration. Et en plus, ça vient réveiller toutes les peurs de l'humanité, dont la plus grande, la peur de mourir. D'accord? Donc tout ça, il va falloir qu'à un niveau individuel, en faisant le travail individuellement de libération, je vais libérer à mon échelle l'humanité. C'est comme ça que ça va fonctionner dans la nouvelle ère et pas, il n'y aura pas de sauveur. Voilà. Donc en gros, l'objectif de l'ère du Verseau, hein, même de l'époque dans laquelle nous vivons, c'est de passer de cette prison vraiment où nous sommes malheureux dans ce mode automatique survie, de toujours tout ramener à nous, de vivre à travers l'extérieur. C'est épuisant. Parce que ça, c'est loin des lois de la vie où nous sommes complètement en train de disperser notre énergie aux quatre vents. C'est comment je peux passer de faire à être. Et voyez à droite, le cœur est ouvert et la personne rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que je suis capable d'aller ouvrir mon cœur, de libérer les énergies en moi et peu à peu, en enlevant couche après couche ce qui empêche et ce qui ternit, ce qui affaiblit le rayonnement de mon cœur. Ben, je vais pouvoir rayonner et la vie va prendre une toute autre tournée. La théorie sur laquelle je me suis basé pour construire cette conférence, en fait, elle est importante. C'est, j'avais envie de comprendre, parce que j'ai du mal à comprendre mon humanité, hein, comme j'étais harcelé, ben, j'ai un peu rejeté tout ça, je me suis réfugié là-haut dans les étoiles. Et en fait, en tant qu'humain, Abraham Maslow, qui est un psychologue des années 60, il a eu cette vision de génie. Suite à tout ce qui s'était passé dans les camps de concentration, il a essayé de hiérarchiser quels sont les besoins pour que l'humain se sente bien. Donc les premiers besoins physiologiques, c'est je mange, je dors, j'ai à boire, voilà, j'ai un toit. D'accord? Si on n'a pas ça, c'est compliqué de s'éveiller. Et en deuxième, la sécurité. D'accord? C'est donc j'ai un toit, il n'y a pas la guerre dehors. Voilà, et il y a cette en ce moment, on voyait bien que la sécurité est titillée puisque on déclare une guerre à un virus et du coup ça déclenche la peur. La peur qui nous débranche de notre cœur et de qui nous sommes. Maslow lui-même disait que les hommes sont prêts à vendre toute leur liberté pour un faux besoin de sécurité. Assez visionnaire. En fait, voilà, de comprendre que ben là, si je me base sur l'extérieur et que j'attends de l'extérieur que ce besoin soit rempli, ça ne fonctionnera pas. Le troisième, qui est aussi cassé en ce moment, c'est un besoin social. L'être humain est un être social. De voir des gens, de voir des gens, de les prendre dans les bras, de les embrasser, de leur serrer la main, c'est compliqué en ce moment pour nous tous. Pourquoi? Vous voyez les besoins qui sont bafoués en fait. Je sais pas forcément pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais vous voyez un peu comme l'humain est mis, quelque part, nous sommes poussés à bout pour sortir de cette extériorité et trouver ses besoins et y répondre de manière intérieure. Le quatrième que Maslow avait identifié étant l'estime de soi. Bon, bien sûr, comment est-ce que je me donne de la valeur dans ce monde un peu de fou aujourd'hui? Voilà. Et il avait mis dans un cinquième... sixième paquet, pas très clairement. En fait, après l'homme, une fois qu'il a ça, il va chercher à se réaliser, à s'accomplir, à mettre du sens dans sa vie. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'à gauche, physiologique, ben oui, beaucoup de gens sont pauvres, donc ça devient compliqué pour pas mal de gens. Sécurité, si on reste sur la peur et que j'attends que l'extérieur me mette en sécurité, c'est compliqué. Si je reste sur le fait de me couper des autres, ben voilà, surtout que l'ère du Verseau, c'est l'ère du réseau, de l'interaction, de la connexion avec les autres. Et l'estime de soi, ben pareil, si je la donne à l'extérieur, c'est compliqué. Donc ça, en fait, Maslow a mis le doigt sur ce que nous devions transformer. Et un autre coach qui s'appelle Richard Barrett, dans les années 90, je crois, si je ne me trompe pas, lui, il a développé ses besoins. Et il a dit, mais pour que ça fonctionne, il faut prendre conscience que j'ai tout ça en moi et pour les transformer et mieux les identifier, en fait. Et donc, il a regroupé ses besoins et il les a mis dans un ordre de 1 à 7. Et de manière intéressante, nous avons 7 chakras, 7 centres d'énergie dans le corps humain. Donc, vous voyez, le coaching est arrivé à réconcilier quelque part le cerveau de l'énergétique, la vraie énergétique. Donc, c'est intéressant. De comprendre, de connaître ça. Voilà.
Du coup, Louis, pour sortir de ça, pour vraiment comprendre que il y a que moi qui peux répondre à ses besoins, il y a aujourd'hui le soutien, la motivation et l'envie de l'univers que les humains s'éveillent à leur conscience, et leur vraie conscience d'amour. Donc, je crois que dans tout ce que les gens vivent en mode automatique, souvent nous avons tous eu un choc. Hein, des personnes, ça peut être un départ, un décès, ça peut être un burn-out, une maladie grave. Et à un moment donné, le cœur, il va se réveiller et il va nous dire non, mais là, tu déconnes, quoi, hein, donc il faut que tu reprennes pied dans la réalité. Et à un moment donné, voilà, bon, c'était ces perceptions. Là, je suis autre chose que ma personnalité terrestre, c'est clair. Là, c'était un peu panique, un peu flippant au début de réaliser que ben oui, il y a de l'énergie, je la vois, je sens des présences. J'ai des présences qui viennent me voir et tout, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et en fait, l'humain, c'est un être de lumière et d'amour qui vient vivre une expérience de matière dans un corps enfermé. Et l'objectif, c'est de trouver la clé qui va ouvrir la porte de la prison que peut être le corps. Enfin, je crois que c'était l'art de Chardin qui dit, mais nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Et je crois que là, fondamentalement, c'est ce que l'univers nous amène. Si nous restons dans la tête, mais il y a de quoi devenir cinglé, en fait. Et je crois que c'est pour ça que l'univers, avec tout ce qui se passe extérieurement, nous pousse à ça. Et en éveillant ma conscience, en ouvrant mon cœur, en fait, eh ben, il y a cette prise de recul, il y a cette ouverture de l'esprit qui dit, mais en fait, j'ai vécu tout ça, quoi. J'ai vécu en mode automatique. J'ai le choix de vivre autrement. J'ai le choix de décider de ma vibration. J'ai le choix de décider, je vais bien. J'ai le choix de décider de rayonner. J'ai le choix de plein de choses. J'ai le choix, en fait, de mener la vie, de me reconnecter à qui je suis profondément et de plus suivre tout ce que j'ai suivi jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment fondamental, cette transformation. Et c'est l'ouverture du cœur, en fait. Hein. C'est vraiment. Cette prise de recul et cette respiration de joie. Du coup, en fait, l'enseignement que j'ai reçu, hein, parce que je travaille avec mes guides, des êtres de lumière, qui m'ont montré un petit peu une façon de s'éveiller, c'est maintenant que j'ai cet éveil, que voilà, je commence à comprendre que je suis autre chose que mon corps de chair, de matière. Comment je vais faire? Alors, eh ben, je vais reprendre cette centre de conscience, mais pour moi, les chakras ont rempli leur rôle et c'est important de les regarder avec un œil neuf, ce que mes guides m'ont transmis. Bien évidemment, le premier avec le rayon rose, l'amour, c'est le cœur. Le premier vraiment à travailler aujourd'hui, je crois, ce qui est fondamental, c'est d'ouvrir son cœur à l'amour que je suis et à l'amour de l'univers. Nous sommes entourés d'amour et les guides de lumière le disent, mais vous êtes entourés d'amour, mais vous ne nous voyez pas, c'est vous qui vous coupez de nous par ignorance. Donc, on va aller voir ce niveau, je vais vous explorer en fait chacun de ces niveaux de conscience. Le plexus solaire, que nous allons voir en deuxième, qui se trouve donc au niveau de l'estomac, là c'est le centre du rayonnement. Est-ce que je prends ma place ou pas? Nous allons voir ça. Le troisième que j'aimerais voir dans cet ordre-là, c'est la gorge. Une fois que je sais un peu qui je suis, que je rayonne, est-ce que je m'exprime en lien avec mon âme? Est-ce que je m'exprime de manière juste? Ou est-ce que, voilà, je ne maîtrise pas ce centre-là? Après, il y a du coup le centre du ressenti qui est le sacré. Est-ce que j'écoute vraiment mes émotions comme je devrais? Est-ce que je prends des temps de pause, de silence pour me retrouver avec moi-même ou est-ce que c'est difficile? Ensuite, le troisième œil qui, lui, est vraiment le centre important du discernement, de la clairvoyance, mais au sens vraiment littéral du terme, est-ce que je vois clair sur ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas? Le chakra couronne qui est, lui, le centre, voilà, pour les personnes qui sont dans la spiritualité très fort, hein, mais qui est ouvert chez tout le monde. Et ça peut paraître curieux, mais en dernier, la racine, on verra pourquoi, c'est le centre le plus primal. Il y a les instincts les plus profonds chez nous et qui peut être le plus violent de par le cerveau reptilien qu'il y a là. Donc, pour aller creuser vraiment sa racine, pour
moi, il est important d'être extrêmement à l'aise avec tout le reste, d'être vraiment bien, bien construit avant de pouvoir aller creuser dans cette partie-là. Donc, j'ai prévu de, je pourrais pas, voilà, je pourrais faire une conférence entière sur chaque niveau. J'ai prévu de prendre ce qui m'est apparu le plus opportun pour vous aujourd'hui. En premier, le cœur, hein, forcément, le cœur, c'est la joie. C'est la joie d'être humain, la joie d'être sur Terre, c'est la joie au quotidien. On voyait tout à l'heure en préparation avec les associations, il y avait du rire, il y avait de la joie, du partage. Mais l'expérience humaine est tellement belle dans cette expression et ce ressenti de la joie. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui de vivre cette joie au maximum. Hein? Alors, il y a une personne qui a levé la main. J'ai une question. L'idée, c'est. Si vous avez une question, Brigitte, vous pouvez remettre votre micro si vous avez envie. Alors, c'était involontaire. Bon, je continue, il n'y a pas de message dans la discussion. Oups. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ouvre mon cœur, et ça peut passer par des ressentis, on peut appeler expansion de conscience, hein, vous pouvez avoir chaud dans votre poitrine, ça peut picoter, ça peut être froid, on fera de toute façon tout à l'heure, nous expérimenterons ensemble, nous allons aller ouvrir nos cœurs. Et à ce moment-là, bah, mon cerveau qui m'a envoyé des films, le hamster qui tourne dans la tête là depuis tout le temps et qui me prenait la tête, au juste titre, ben, il a trouvé quelqu'un qui va l'équilibrer. Et du coup, je vais passer au filtre du cœur, c'est-à-dire prenant le temps de ne plus être en mode automatique et d'établir en fait avec mon cœur un code. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Et d'avoir un petit code corporel ou un ressenti qui vous dise, ah non, là, là, le cœur, c'est notre boussole. Comme nous sommes 8 milliards d'êtres humains, bah, il n'y a pas une réponse qui sera bonne, il n'y a pas une façon de faire qui sera bonne pour tout le monde. Donc, il va être important, chacun, chacune, que nous ayons cette capacité à écouter le cœur et qui va équilibrer le mental. Et en ouvrant le cœur, bah, des fois, tiens, quand quelqu'un va dire quelque chose qui me met en colère parce que ça blesse mon estime de soi, bah, le fait que j'ai le cœur ouvert va me permettre de dire non, là, en fait, ce que je vis, c'est une mémoire émotionnelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie ma colère à la tête ou je lui dis de côté parce que je suis blessé. Mais je vais le laisser allumer quand même parce que sinon. Oui, ouais, il y a quelqu'un qui veut te poser une question? J'ai galéré de Ah, il y a une personne qui va. Je vais couper le micro du coup. Donc, c'est ça le cœur. C'est vraiment cette liberté de choisir et cette conscience que je suis en train de vivre quelque chose d'automatique. D'où le nom boussole, je trouve que c'est pas mal. C'est, voilà, j'ai. Et donc. Bah, c'est l'acceptation de ce qui est et je lâche prise. C'est-à-dire que le mental, il cherche à tout contrôler, il cherche à. Bon, les gens ont peur de mourir, ok, avec la COVID qui est une vraie maladie qui tue des gens, hein. Faut pas. Voilà, c'est une observation. Sauf que qu'est-ce que fait la peur? La peur, elle fait baisser nos énergies. La peur, elle produit, on le verra, des hormones qui affaiblissent l'immunité. Donc plus vous allez avoir peur, plus votre système immunitaire va être faible. Au bout d'un moment, bah, c'est un peu contradictoire. Donc, quand je peux sentir la peur, que je prends conscience que j'ai peur, eh ben, je peux faire quelque chose avec. Et je peux décider de dire, bah non, je ne veux pas ressentir ça. Et le cœur, moi, j'apprends énormément aux gens à s'aimer, à s'aimer tel que je suis. Ça, c'est l'amour-propre. En fait, c'est la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va vous aimer. Ce n'est pas en me construisant sur le regard de l'autre. Ah bah il est pas gentil avec moi donc je dois pas être une bonne personne. Ça c'est terminé en fait et le cœur c'est l'enseignement de dire bah je suis qui je suis peu importe ce que les gens pensent d'ailleurs. Je sais que je fais de mon mieux, que je suis pas parfait. Mais voilà, de se dire tous les jours je m'aime tel que je suis et beaucoup de gens en début de chemin spirituel, on en parlait avec Isabelle tout à l'heure en préparant la conférence, vont croire que c'est de l'égocentrisme ou du narcissisme de dire je m'aime. Non, pas du tout.
Mais à un moment donné, si je ne suis pas capable de m'aimer tel que je suis, personne ne va le faire à ma place. Et si je n'ai pas cet amour dans mon cœur, je vais avoir énormément de mal à faire face à ce que l'univers m'envoie. Parfois, si vous prenez des grands hommes, je ne sais pas si vous prenez des gens comme Mandela, tout ce qu'il a vécu en emprisonnement, il n'est pas devenu cinglé. C'est ce pouvoir de résilience qui se trouve dans le cœur. Il savait que sa cause était juste. Il savait que les personnes qui l'enfermaient, au bout d'un moment, il finirait par son message de liberté finirait par porter ses fruits. Où est-ce qu'il est allé chercher cette énergie-là? Dans son cœur. Là, dans le cœur de chacun, chacune d'entre nous, il y a un réservoir d'amour infini. Quand vous voyez des personnes qui pour vous, et leur arrivent tous les malheurs du monde, elles ont encore le sourire, ben, c'est ça. L'amour peut tout. Il n'y a rien qui peut diminuer, qui peut affaiblir, qui peut bloquer. L'amour peut tout. Et l'éveil de l'homme, imaginez si tous les cœurs s'ouvrent demain et qu'une vague d'amour envahit la Terre, on a changé, on a tout transitionné à l'ère du Verseau, on a changé de société. C'est l'énergie la plus puissante. L'amour, il n'y a rien qui peut l'arrêter. D'accord ? Donc, dans des moments difficiles où vous sentez que vous n'êtes pas bien, il y a utilisé, il y a notamment la musique baroque, la musique classique, il y a des morceaux qui sont branchés sur cette fréquence du cœur et qui nous amènent cet amour quand il est difficile à trouver. Je ne dis pas que c'est évident, il y a des fois où c'est très difficile de trouver l'amour, mais essayez déjà de comprendre que si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes, si vous n'arrivez pas à vous regarder dans la glace, à vous accepter votre corps, etc., tel que vous êtes, et à accepter que ce que vous avez vécu, ça va être compliqué de tenir le choc, tout simplement, et puis surtout d'avancer, puisque le gros travail que nous avons à faire, c'est de nous aimer et d'aimer les autres. L'autre partie, je crois, que les guides voulaient que je partage avec vous, c'est nous sommes tous différents, chacun à son niveau de conscience, le cœur ne jugeant pas. Il y a des personnes qui se précipitent aujourd'hui pour se faire vacciner, par exemple, parce qu'elles ont peur de mourir, parce que la seule façon qu'elles ont été élevées et formatées, c'est que ma santé vient de l'extérieur, donc un vaccin va résoudre ma santé. C'est leur niveau de conscience, c'est leur croyance, je le respecte. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Moi, ce n'est pas mon choix personnel, mais peu importe. Je ne vais pas me mettre à passer des heures à dire « vous êtes con, ceci, cela ». Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vais dépenser mon énergie entière à dire aux gens qu'ils ont tort et que moi j'ai raison ? Là, je suis dans la tête. Je ne suis pas dans mon cœur. Les guides disent « aime, aime tout le monde, toutes les personnes. » Des personnes même qui t'ont fait le plus de mal, aux personnes qui ont fait le moins de... Regardez, il y a peut-être des questions là. Alors, ok, j'ai des questions, je les ai vues. Donc, alors, les personnes en détresse, ça c'est Marilyn. Les personnes en détresse, il va être important de... Il faut comprendre dans quelle boucle elles sont prises. Dans quelle boucle mentale elles sont prises. Est-ce que c'est qu'elles se mettent en mode victime et qu'en fait elles se retranchent derrière ça, et ça on va aller le voir au niveau d'après, c'est-à-dire que le monde est méchant avec moi et en gros j'aurai une vie pourrie et comme ça, et du coup c'est une boucle qui est très compliquée de sortir de ça. Si effectivement les gens, on peut aider les gens s'il y a une petite ouverture, si vraiment ils sont en mode caliméro tout le temps, ça va être compliqué. Donc il faut essayer de trouver et de leur montrer à quel point actuellement elles sont coincées par ce comportement-là. Mais on va voir, vous allez avoir des réponses au niveau des 7 niveaux de conscience. Et l'idée, c'est de voir où le cœur est bloqué. Les musiques baroques, j'aime beaucoup le Messie de Handel. Après, c'est personnel. Je pense qu'il faut que vous testiez. Mais tout ce qui est musique baroque dans des cœurs sacrés, tout ce qui va être musique sacrée, si vous prenez des Ave Maria, si vous prenez le Messie, il y a le Stabat Mater de Pergolèse qui est magnifique. Vous allez avoir même le Requiem de Mozart. Hein, c'est quelque chose qui porte une vibration sacrée. Après, il y a
Moi, j'utilise personnellement beaucoup Rachmaninoff, le concerto, même si c'est plus récent, le concerto piano numéro 2 de Rachmaninoff. Moi, ça me transporte. C'est vraiment des musiques qui parlent à l'âme. Et voilà, à peu près, j'utilise. Vous avez Hildegard de Bingen, qui est assez, peut-être assez connue, qui est une femme qui a failli être brûlée comme sorcière parce qu'elle avait des expansions de conscience divine et qu'elle chantait au XIIe siècle. Imaginez un peu au XIIe siècle, une femme qui se mettait dans une église, c'est un peu impossible. Et donc, elle a écrit, ça s'appelle « Les cantiques de l'extase ». Vous pouvez trouver aussi sur Internet. Après, il faut être bien enraciné parce que c'est assez fort au niveau vibratoire. Voilà, vous avez pas mal de choses à tester. Moi, je vous recommande vraiment de tester. Des fois, vous verrez, d'une version à une autre, ce n'est pas la même vibration selon l'interprète. Hein, voilà, pour les musiques. Voilà, alors à la vibration, ça, je ne sais pas. Il y en a qui disent que le 432 Hz, c'est la vibration du cœur. Je crois qu'il faut être prudent. Il y a des vibrations à des fois 900, 1000 Hz, etc. Oui, passion selon Saint-Jean-Bach, extraordinaire. Oui, merci pour la suggestion. Bach est très, très belle chose, effectivement. Et c'est une musique qui me fait beaucoup vibrer aussi et qui est très, très vibrante, Bach. Hein. Voilà, j'avais oublié. Merci, merci Valérie pour ça. Voilà, donc regardez un peu, testez. Il y a énormément de choses maintenant gratuites sur Internet qu'on peut trouver. Et puis testez. Et des fois, ben, c'est mieux de mettre le casque si vous voulez vraiment que la vibration, elle rentre bien en vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cœur ou je vais avancer du coup s'il n'y a pas d'autres questions? Du coup, voilà, vous voyez, c'est un moment où... Oui. Vas-y, Isabelle. Oui, le casque, est-ce que ça ne peut pas, par hasard, un petit peu gêner au niveau de la perception du restant de notre corps en entier, de chaque cellule? Parce qu'en fait, là, on passe uniquement par le conduit auditif. Donc, notre corps n'est pas imprégné totalement de la vibration. Oui, ça dépend. Effectivement, c'est une bonne remarque, Isabelle. Il y a des moi, je sais que quand on a besoin de se poser seul, j'aime bien mettre le casque, mais c'est personnel. Si vous laissez effectivement la musique, vous mettez devant la baffle, et effectivement, tout votre corps va baigner. Mais en arrivant du conduit auditif, elle peut aussi descendre jusqu'en bas. Après, c'est personnel. Je pense que je recommande à chacun, chacune d'expérimenter et de voir ce qui est possible. Par rapport à la fréquence, c'est pareil. Beaucoup se posent la question. On dit toujours 432 Hz, c'est la fréquence de la Terre, donc on monte la même vibration que la Terre. Ensuite, il existe des vibrations qui sont plus fortes, effectivement, tout dépend de ce que l'on cherche et ce que l'on veut. Donc là, c'est pareil, il faut tester, savoir quelle est la vibration qui nous correspond au moment présent, parce qu'une vibration peut correspondre à un moment présent et pas demain ni hier. Donc, il faut tester à chaque fois pour être sûr que ça corresponde vraiment à ce que l'on a besoin au moment présent. On vit beaucoup dans le moment présent. Voilà, c'est ce que j'allais dire aussi avec le cœur, c'est ça. Et très justement, n'imaginez pas que ce qui était vrai hier sera vrai aujourd'hui ou sera vrai demain, tout change. 432 Hz, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, alors méfiez-vous aussi, moi je crois qu'il y a des choses plus ou moins bonnes. Mais c'est effectivement la vibration de la Terre, mais la vibration bouge. Il y a effectivement des personnes qui cherchent des sensations extrêmement puissantes. Moi, je vous recommande de faire attention, notamment avec tout ce qui est ondes binaurales qui sont extrêmement puissantes. Et moi, j'ai vu des gens arriver désaxés par ça. Donc aussi, soyez votre propre juge, comme dit Isabelle. Voilà, il n'y en a pas. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas la même chose tous les jours. Et écoutez surtout comment vous vous sentez pendant et après. Parce que l'intérêt du cœur, c'est qu'après, j'écoute mon corps, mais c'est tout mon corps qui me domine. C'est qu'en fait, si j'écoute un truc et que je me sens plombé, ben, je ne vais pas continuer. Hein, c'est important, mais du coup, comme j'ai cette conscience, bah, ok, voilà, j'écoute mon cœur et ça, ça me convient. Aujourd'hui, je veux plus ça. Voilà, en ce moment, bah, j'écoute beaucoup le Sabbat Mater de Pergolèse, mais parce que c'est une phase. Avant, c'était plus Rachmaninov. Voilà, des fois, je mets un casque, des fois, je ne mets pas. Et puis, voilà, le cœur va vraiment nous guider sur ce qui est bon pour nous. Et en fait, il va filtrer nos cinq sens et va nous permettre, avec cette conscience, de dire bah, tiens, ça me convient, ça ne me convient pas. Voilà, et merci Véro, effectivement, c'est ça, c'est écoutons notre cœur. L'important c'est vraiment ça, c'est faites-vous confiance. Le cœur, c'est aussi l'amour propre, c'est aussi la confiance en soi. Je pourrais parler pareil très très longtemps là-dessus, mais c'est fondamental de prendre ce moment d'écouter son cœur. Et moi en général, les gens j'en dis bah, si quand vous
vous posez une question, il n'y a pas cette petite vibration dans le cœur, c'est que pour moi, ce n'est pas oui. Mais c'est, encore une fois, c'est personnel. Hein, voilà, merci en tout cas pour vos commentaires et vos suggestions, c'est chouette. Bernard, on est bon. L'autre niveau que je veux vous montrer, qui pour moi est fondamental après, une fois que j'ai ouvert cette conscience, une fois que j'ai conscience que je suis cet être d'énergie et d'amour, eh ben vient le temps du plexus solaire. Hein, là, je vous ai mis le soleil. C'est le centre du rayonnement. Hein, vous voyez, il y a des personnes qui sont extrêmement rayonnantes, extrêmement joyeuses. Ben, l'amour du cœur, l'amour propre, descend dans mon plexus, donc au niveau de l'estomac, hein, c'est le centre qu'au niveau de l'estomac, du foie, de la vésicule, et du coup va rayonner. Et curieusement, biologiquement, c'est le centre de la digestion, donc c'est le centre de l'énergie en général. C'est-à-dire, est-ce que la façon dont je me nourris physiquement, énergétiquement, est-ce que je sens que ça me donne du peps, que ça me donne de la force, ça me donne envie d'avancer et que du coup j'ai de l'énergie à revendre? Ou est-ce que ce que je mange me plombe, je me sens crevé après les repas, il faut que je fasse une sieste, je ne suis pas bien? Voilà, là il y a tout un discernement aujourd'hui et je vous invite, il y a énormément de choses maintenant sur l'alimentation. Ce rayonnement, si on le plombe avec ce qu'on mange, ça va être compliqué. Du coup, le corps va prendre tellement d'énergie pour digérer ce que je mange, il n'y en aura plus beaucoup pour rayonner. Et ça, c'est pareil, comme disait Isabelle, et ben, testez et apprenez à écouter déjà quand vous vous nourrissez physiquement, donc ce que vous mangez, est-ce que ça me fait du bien ou pas. Et d'un jour à l'autre, ça change. Il y a beaucoup de gens qui parlent de régime ceci, régime cela. On a changé d'époque, il n'y a pas un régime. Pour chaque personne, je trouve, le régime, il va changer tous les jours. Faites-vous confiance, encore une fois. Et voyez quels aliments vous font du bien ou pas. D'accord ? C'est quelque chose qui va du coup vous aider à rayonner. Si nos organes sont plus légers grâce à une alimentation saine, on peut dire biologique, mais même permaculture, etc., quelque chose de sain, bah, l'aliment non transformé va avoir beaucoup plus d'énergie, va vibrer beaucoup plus. Forcément, bah, si vous mangez quelque chose de vibrant par rapport à des plats industriels, genre McDo, bah, la vibration n'étant pas la même, votre vibration va s'élever plus facilement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger, si pas manger ça, mais soyez conscient que dans ce centre-là de l'estomac, on peut faire du dégât assez vite en mangeant n'importe quoi ou en s'appliquant un régime parce que Tartempion ou Tartempion a dit que c'était le régime qu'il fallait faire et en se dégommant avec un régime qui va nous déséquilibrer. Donc, d'avoir le discernement dans les deux sens. Le centre du rayonnement, hein, c'est aussi... le centre de la colère, et souvent en fait je suis pas en colère contre l'autre, je suis en colère contre moi de pas m'écouter, de pas me respecter. Souvent la colère en fait c'est ça, et en fait soit j'utilise mon énergie pour être en colère, et dans ce cas là bah, vous voyez quand on est en colère il y a de l'énergie qui sort, hein. Mais alors après on est vidé, hein. Donc l'idée c'est de canaliser cette énergie dans ce centre de manière intelligente, de manière consciente, et qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon énergie? D'accord ? Qu'est-ce que... Et la première des choses va être de prendre sa place. Hein ? Voilà, effectivement, merci Véro pour les émotions. Bah, ça, on peut voir, effectivement, en premier, hein, l'estomac, ça va être souvent les frustrations. Ben, si je me nourris et que je ne digère pas mes émotions, ça reste bloqué, effectivement, et ça reste coincé là. Et je crois que ce centre-là, ce qui est vraiment important, c'est de prendre sa place. C'est-à-dire de ne plus attendre que quelqu'un me la donne. Nous avons été infantilisés par, en France, notamment, on n'imagine même pas, hein, j'ai vécu à l'étranger, je peux vous dire, la chance que nous avons d'être en France, au niveau social, au niveau éducatif, au niveau santé. Aux États-Unis, j'avais une collègue qui faisait la manche pour payer ses chimios. Hein, elle venait chercher de l'argent parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer sa chimio. Quoi, hein. Il y a des enfants qui ne sont pas soignés parce que il n'y a pas d'argent. Et puis, tu es malade, ben, vision divine, tu te démerdes. Donc, on nous a tellement infantilisés à tout nous donner qu'en fait, il en faut toujours plus. Donc, il y a cette infantilisation que ben, j'ai plein de droits, mais par contre, je n'ai pas de devoirs. Et ben, nos devoirs, c'est de prendre notre place et de ne plus attendre que ce soit l'autre qui nous la donne. Donc, ben, aujourd'hui, j'assume qui je suis, voilà, bof, et je décide d'y aller. Et ça, ce n'est pas non plus égocentrique, c'est vous vraiment
on le voit avec tous ces gens qui se reconvertissent, tous ces enfants qui sont mal à l'école, c'est, mais je prends ma juste place, quoi. Voilà, je reprends ma responsabilité, c'est mon yang, c'est j'affirme au monde l'individu que je suis, ce que je suis venu apporter. Et en aucun cas, ça tombera du ciel. Il n'y a pas de sauveur qui va venir. Hein. Certaines personnes disent que dans le bouddhisme, ils parlent du Maitreya, mais en fait, c'est la conscience collective de l'humanité qui va, du coup, en ayant pris sa place et ayant ouvert son cœur. C'est ça. Voilà. Chacun son autonomie en respectant les autres. C'est exactement ça. C'est je prends ma place, mais je ne me mets plus dans ce triangle victime, bourreau, sauveur. Voilà. Moi, j'ai une personne que j'accompagne depuis quelques mois qui est venue me voir parce que, en fait, elle était prisonnière d'un schéma de victime. C'est-à-dire que, bon, son histoire familiale était que ses parents se sont séparés, elle était jeune, elle avait 5 ans, et quand elle était en garde alternée chez sa belle-mère, il n'y avait même pas le couvert à table pour elle. Donc oui, elle a été victime de ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à s'agiter dans tous les sens pour montrer aux autres que j'existe, mais du coup, elle les fatiguait, elle n'était pas bien. Et c'était à un tel point que limite, elle allait faire ses courses et la boulangerie, parce qu'elle voulait, elle faisait une scène parce qu'elle le prenait comme une attaque personnelle. Donc vous voyez jusqu'où peut aller la perte de pouvoir, comme écrit Corinne, la perte de pouvoir divin. Bah, je tombe tellement dans la matière que en fait, tout le monde est méchant et moi, je suis la pauvre victime. Et c'était fou parce qu'elle n'arrivait pas à s'en défaire. Ses enfants ne l'écoutaient pas et elle leur gueulait dessus parce qu'elle dit « ils sont méchants avec moi ». Mais les enfants, ils n'écoutent rien, c'est normal, c'est des enfants. Donc, tout le travail que nous avons eu à faire, c'est de l'aider, je l'ai aidé et accompagné à ce qu'elle sorte de ce schéma de victime, qu'elle prenne conscience. Elle en avait conscience, hein, elle avait fait de la psychothérapie, mais elle n'arrivait pas à sortir énergétiquement de ça. Et du coup, bah, on est allé voir ensemble les carapaces, les blocages qu'il y avait à ce niveau-là, au niveau plexus solaire, qui faisaient qu'elle n'arrivait pas, et c'était plus fort qu'elle, elle me dit, c'est plus fort que moi. Et à peu près, après 3 ou 4 séances, je crois la 4e séance, d'un coup elle me dit mais ça y est, maintenant je reprends pied, je vois le truc arriver et j'arrive à mettre des stratégies d'évitement et j'arrive à du coup utiliser mon énergie de manière beaucoup plus consciente. Vous voyez le chemin que nous avons à faire, chacun étant différent. Voilà, une autre personne qui m'a fait cette confidence, en fait elle, dans les relations de couple, je le vois souvent, c'est des personnes qui ont peur de l'abandon. Et souvent, pour contrôler en fait l'abandon de l'autre, elles vont passer en fait en mode bourreau, donc elles vont devenir extrêmement désagréables avec leur conjoint, pour qu'en fait le conjoint se barre. Et une fois que le conjoint est parti, elles vont jouer les victimes. Il m'a abandonné, elle m'a abandonné, etc. Donc ça, c'est un truc vachement fréquent. Ou ben, voyez un peu et ça, c'est inconscient en fait. Tant qu'on n'a pas mis le cœur, on n'a pas amené à la conscience avec le cœur, c'est complètement inconscient et du coup, c'est un schéma qui peut être très compliqué dans les relations. Là, au niveau du plexus, c'est le rayonnement et c'est une partie de la relation à l'autre. C'est en fait, quelle est ma place vis-à-vis de l'autre? Voilà. Est-ce que je prends ma place, je suis un être divin, j'ai le pouvoir de rayonner ma lumière et sans écraser les gens, mais juste de prendre cette juste place-là. Voilà. Ça, c'est... Il y a la place du sauveur. Là, il y a des personnes qui, pour sentir bien, c'est le piège de tout thérapeute, hein. C'est je vais l'aider. Je vais l'aider parce que sans moi, elle ne peut pas y arriver. Et c'est du coup de se sentir exister, de se sentir utile, à l'extrême, hein, je ne dis pas que c'est mauvais d'aider les autres, mais c'est d'aider tellement les gens qu'on se sacrifie au passage. Et c'est regarder, je sauve la personne. Si on fait dans son cœur, on n'a pas besoin de reconnaissance, de quoi que ce soit. Hein. La reconnaissance, elle vient du cœur et c'est un sourire quand la personne va mieux. Voilà. Et c'est cette place-là de sauveur. Ça, vraiment, sortons de ça. Et nous sommes tellement dans... cette structure pyramidale, là, l'État est un bourreau des Français, et nous, on est des pauvres victimes. Non, ça ne vous correspond pas. Débranchez-vous de ça. Débranchez-vous de ça. L'énergie qui est perdue. Voilà. Okay. Véro, toujours des douleurs quand j'étais adoptée. Voilà. Oui, ça, c'est difficile pour les personnes adoptées. On va le voir au niveau des racines. C'est effectivement compliqué de prendre sa place quand il y a des problèmes de filiation. Effectivement, c'est que l'âme, elle choisit un chemin de vie plus complexe pour expérimenter quelle est ma place et pour expérimenter le fait de ne pas connaître sa lignée. Voilà. Donc, nous sommes tous plus ou moins fragiles, hein, voyez, selon les niveaux que nous explorons, mais toujours avec le cœur, nous arrivons à alléger, à soulager un petit peu nos blocages. Et du coup, l'estime de soi... l'estime de soi découle de l'amour propre et donne cette confiance en soi.
Ben, c'est en fait comment je m'évalue au quotidien. Est-ce que je peux me regarder dans la glace à la fin de la journée par rapport au travail que je fais, par rapport à comment je me suis comporté avec les autres, comment les autres m'ont traité? Quelles sont mes valeurs en fait? Parce que nous sommes venus chacun expérimenter quelque chose et les valeurs, je ne sais pas, comme la justice, l'éthique, la liberté, etc., ben, y a pas mal de valeurs individuelles. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que vous connaissez vos valeurs les plus profondes, ce qui va vous faire sauter à la gorge de quelqu'un si la valeur n'est pas répétée? En gros, souvent, on ne les connaît pas, on les reconnaît comme ça. Oh, mais ce truc, ça me bouge parce que c'est injuste. Ah, mais c'est peut-être une valeur de justice vachement profonde. Est-ce que, comme moi, bah, dans mon ancien job, on m'a demandé de faire des trucs qui n'étaient pas éthiques? Bah, j'aurais dit, écoutez, au revoir, messieurs, dames. Parce que l'éthique est tellement importante pour moi. Voilà. Et c'est quelles sont mes valeurs? Effectivement, bah, l'ego peut avoir des valeurs, le cœur, on a nos vraies valeurs, elles sont dans notre cœur et notre âme, elle a choisi ces valeurs pour exprimer notre personnalité. Allons les chercher. Ce centre, effectivement, du plexus perverti, c'est l'ego puissance plus, c'est moi maître du monde, dictateur, etc. Hein, c'est, on le voit dans certains dirigeants aujourd'hui, hein, cette tentation du pouvoir totalitaire. Et je rayonne tellement que je vais écraser tout le monde. Voilà un peu ce niveau-là. Je vois s'il y a d'autres questions ou commentaires par rapport à ça. Mais on va avancer du coup. On ne voit pas, donc je vais continuer à avancer. Alors, le troisième, je trouve qu'il est important, une fois qu'on a bouclé sur le cœur et le plexus, d'aller voir à la gorge. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, une fois que j'ai cette conscience de qui je suis, de l'amour que je suis, que je m'aime tel que je suis, que je commence à prendre ma place, ben, comment je vais m'exprimer? Comment je vais du coup verbaliser et prendre conscience, comme j'ai dit, tout est énergie. Donc la gorge, c'est à la fois les pensées, à la fois la parole, à la fois l'écoute. Est-ce que je vais être capable d'utiliser mon cœur dans ma communication? Est-ce que je peux arrêter de réfléchir à ce que je vais dire et écouter ce que la personne est en train de me dire pour être dans une vraie écoute active? Est-ce que je vais être capable de parler quand c'est fondamentalement important que j'ouvre la bouche? Parce que sinon, je sens que je vais ne pas respecter une de mes valeurs. Voilà, c'est être en alignement, en harmonie. C'est-à-dire que, voilà, comme dit Corinne là dans le chat, c'est... Oui, c'est ça. C'est est-ce que par contre, il faut que je me taise et que je me tais et je dis rien. Parce que là, je vais juger la personne ou il faut qu'elle vive son expérience. Voilà, et je laisse. Voilà, vous avez tous les outils hein, de la communication non violente. Hein, Marshall Rosenberg, il a mis au point vraiment un magnifique outil. Que ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller voir. C'est les mots peuvent être des fenêtres ou peuvent être des murs. On va le voir après avec le pouvoir du verbe. C'est vraiment, mais là, l'expression, elle est fondamentale et tout ce que nous créons dans nos pensées ou dans nos paroles bah, nous revient en boomerang, hein, comme tout est énergie, tout circule et tout revient amplifié. Donc, ce n'est pas de se dire, oh là là, non, c'est d'être conscient de ça. Et donc, effectivement, la gorge, bah, c'est est-ce que je suis aligné avec moi? Est-ce que je fais ce que je dis ou est-ce que, voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc là, il y a deux aspects, bon, il y en a plus. Hein, OK, donc la communication non violente, je vais vous dire Marshall B. Rosenberg. Lui, en fait, il s'est rendu compte que son livre s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou des murs », je crois. C'est son livre phare qui parle justement de comment je vais m'exprimer en étant en écoute avec l'autre. Et comment, par exemple, dire à votre mari « Putain, tu fais chier, t'as laissé traîner les chaussettes par terre. » Hein ? Voilà, donc du coup, tu m'embêtes parce que t'as mis des poils pas si, t'as fait exprès d'eux, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Waouh, l'autre en face, il se reprend une rafale de trucs. Ben, qu'est-ce qu'il voulait qu'il réponde ? Ben, vous renvoyez une rafale de « Mais chérie, machin, tu sais que moi… » Voilà. Bon, ça coupe tout. Il n'y a pas de communication, là. Il y a deux monologues. D'accord, donc il y a une personne qui est outrée émotionnellement, peut-être à juste titre, hein, voilà, bon, c'est comme ça, mais il a mis des voilà, c'est ça, et il a mis, je ne suis pas spécialiste, mais je connais un peu ses outils,
Et il a mis voilà, des recommandations et on peut parler des accords Toltec aussi, que ta parole soit parfaite. Il y a pas mal de choses qui tournent au niveau de la façon dont je m'exprime. Donc voilà. Et je vois beaucoup de gens se former à cette technique-là. Bon, je pense qu'honnêtement, ne serait-ce que lire son livre est intéressant et nous explique que bah, si je veux une communication efficace et que je veux aller au fond des problèmes, notamment en couple, hein, parce que le couple est vraiment le révélateur de ce que je ne vois pas, je le vois chez l'autre. Donc, c'est là que la communication va être le plus compliquée et d'arriver à se poser et à voilà, savoir dire les choses. Merci Véro. De manière posée, parce que si forcément je démarre sur un quart de tour, bah, ça va pas être une discussion constructive. Donc il a des outils vraiment intéressants. Voilà, j'ai mis son nom dans le chat. Donc il y a pas mal de choses là-dessus. Donc le souffle, c'est aussi ben, j'inspire, j'expire. On a toute la sagesse du pranayama, hein, qui est une partie du yoga, que je vous invite vraiment à explorer, notamment si on a une émotion trop forte, quelque chose de compliqué, nous allons faire l'exercice tout à l'heure. Et si j'inspire en conscience mon émotion pourrie et que j'expire et que je la fais sortir de moi, ben, ça fait du bien. D'accord ? Il y a plein de techniques, on fera un petit essai tout à l'heure, notamment que j'aime beaucoup. Qui correspond à l'alternance de respiration par les narines, narine droite, narine gauche. On inspire, on ferme une narine, on inspire d'un côté de l'autre. Ça s'appelle le Nadi Sodhana. Je vois Isabelle, je pense que tu te vois taper. Attends, je vois plus le chat. En fait, j'avais mis un message, mais comme je ne suis pas très douée, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. C'était juste pour dire par rapport au fait. Quand tu parlais en couple, ça peut faire mal la réaction de l'autre ou les propos. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet miroir. Oui. C'est-à-dire, ce qui dérange chez l'autre, c'est justement quelque chose qu'on a réglé avec nous-mêmes. C'est ça. Oui, c'est effectivement l'effet miroir et quelque chose de fondamental et de se réapproprier aussi. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de comment la personne le prend et réagit. Ça lui appartient. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental à conscientiser. Donc, plus je vais être doux dans ce que je vais dire, si l'autre réagit mal, bah, c'est qu'elle a quelque chose à régler. Et à l'inverse, comme tu disais, bah, l'autre étant l'effet miroir de moi-même, parce que bah, voilà, on ne choisit pas son partenaire de couple par hasard. Il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup chez mon conjoint, bah, peut-être qu'il faut que je regarde en moi ce que je n'ai pas réglé. Donc, merci pour la reprécision. C'est important, ça. D'où le fait de bien utiliser ces mots. Voilà. Et donc, le souffle, je vais vous mettre dans la discussion, ça s'appelle le Nadi Sodhana. C'est très bon pour le stress. Et il y a des vidéos YouTube qui expliquent très bien d'alterner les narines. Donc, c'est je ferme la narine droite, j'inspire à gauche, je ferme la narine gauche et j'expire à droite. Vous faites ça 10 minutes par jour, mais ça calme. Et pourquoi ? Parce que le souffle, il va équilibrer les deux cerveaux en faisant ça. On va irriguer un côté, puis l'autre. Ça va équilibrer le cœur et l'esprit. Le corps et l'esprit, ça va vraiment harmoniser et calmer. Et en phase de stress aigu, surtout en ce moment, si vous avez un mental de fou et que les visualisations ne fonctionnent pas, utilisez vraiment cette technique respiratoire. Il y a aussi voilà, la cohérence cardiaque. Merci Valérie, qui est une autre méthode voilà, il y a toute cette respiration-là qui est présente, qui est démontrée aussi scientifiquement pour apporter des choses sur le stress. Donc vraiment, utilisez ce pouvoir dans votre gorge, utilisez le souffle en conscience, c'est vraiment, ça va aligner toutes vos énergies, ça va vous calmer. En plus, il y a Respire Relax, je crois que ça s'appelle, c'est gratuit en cohérence cardiaque. Donc si vous voulez regarder, c'est basé sur la durée de l'inspiration, la durée de l'expiration. Hein, si on arrive à contrôler la durée de l'inspiration, la durée de l'expiration, et c'est gratuit, vous n'embêtez pas à payer, hein, il y a un site, etc., tout est expliqué, c'est pas la peine. Donc, voyez, pour le souffle, il y a pas mal de choses. En dernier, bah, il y a le verbe, donc ça, on l'a déjà vu avec la parole, hein, la SNV, donc je ne vais pas en parler, mais soyez conscients que, voilà, avec nos mots, on peut faire quelque chose de très bien, quelque chose de beaucoup plus négatif. On voyait un peu le travail que nous avons à faire à filtrer tout ça, à explorer. Notre vie d'humain, c'est vraiment fondamental, c'est vraiment sympa quand nous avons pris ce recul et dire, ben voilà, je vais m'explorer, je vais voir, tiens, là, c'est cette partie-là, tiens, cette partie-là.
c'est de reconnaître un petit peu ce qui bouge en moi. Et effectivement, bah, c'est parfois on arrive au centre des émotions. Hein, le sacré qui est sous le nombril, hein, ce qu'on appelle chakra sacré, bah, c'est le centre du ressenti, hein, c'est au niveau du ventre. On dit quand même que le ventre est notre premier cerveau dans l'embryon, au deuxième cerveau, il y a beaucoup de neurones. Il y a énormément d'études aujourd'hui scientifiques qui démontrent que ben, le microbiote a un impact assez important sur notre comportement, sur certaines hormones, etc. Donc, nous sommes en train de redécouvrir que ben, oui, la tradition indienne avait vu il y a des millénaires, c'est que ben, voilà, ce centre-là du ressenti, et c'est ben, est-ce que déjà j'écoute mon ressenti, est-ce que je suis conscient que j'ai un ressenti, parce que des fois, on a tellement souffert qu'on ferme tout. Ferme tout, voilà, je ne vois plus le chat, donc je ne sais pas s'il y a des questions, Isabelle. Voilà. C'est est-ce que je ressens. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ok, merci. Est-ce que je ressens vraiment tout ou est-ce que je bloque et que je mets des carapaces et dans ce cas-là, je ne ressens plus rien et puis je fais la cocotte et en fait, comme nous sommes toute énergie, toute émotion que je ressens mais que je ne digère pas, que je ne libère pas, elle va s'accumuler dans notre ventre. Donc, combien de gens ont le côlon irritable, ont des maux de ventre épouvantables. Et en fait, on a beau faire des investigations poussées en médecine, il n'y a rien. C'est parce qu'en fait, toutes les émotions que n'ont pas digérées, eh ben, elles sont restées dans mon système digestif, en partie, pas que. Et parce que ben, je suis tellement coupé de moi que je ne ressens même pas ça. Et du coup, on a tendance aussi de dire, bah, tiens, je vais prendre un cachet pour ne pas avoir mal au ventre, alors qu'en fait, bah, si l'investigation faite, ce n'est pas ça, il est important de, du coup, d'apprendre. Bah, c'est quoi une émotion? C'est une énergie. Si je ressens une émotion à un moment donné, c'est une information. Et il est important de ressentir toute la palette d'émotions. Si je ne ressens jamais de tristesse ou de colère, c'est bizarre. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas... Je veux dire, ça m'a choqué une fois, j'ai vu une vidéo du Dalai Lama en colère, mais en colère noire. Je n'avais jamais imaginé que le Dalai Lama puisse être en colère noire. Il est humain comme nous. Nous sommes des êtres d'émotion. À un moment donné, il va falloir l'accepter. Arrêter de vouloir rien ressentir. Et dire, ah, ok. On voit beaucoup de gens qui sont hypersensibles. Hein, c'est un peu la mode. Hein, mais c'est vrai que comme l'énergie est là, on ressent beaucoup plus les émotions. D'accord ? Et du coup, bah, c'est ça qui fait que je suis vivant. Je ne suis pas une machine. J'ai une émotion. Et du coup, bah, ah tiens, j'ai une émotion qui arrive. Déjà, c'est quoi comme émotion ? Les gens qui ne savent même pas distinguer. Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est la terreur? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est du chagrin? La mélancolie? La colère? Il y a une palette énorme en émotions. Et vous voyez sur la carte que j'ai faite émotions, il n'y a pas d'émotions noires, elles sont toutes importantes à ressentir. Parce que du coup, c'est quelque chose peut-être qui me touche, qui me coupe de mon cœur et que je n'ai pas réglé. Et du coup, l'émotion vient pour mettre le doigt dessus et pour me dire, tu n'as pas réglé ça. Donc du coup, ben, je ressens l'émotion, je l'identifie, je la ressens. Et puis après, est-ce qu'elle est à moi ou est-ce qu'elle n'est pas à moi? Comme on est tous connectés là, comme je dis, tout est énergie, bah des fois, on ressent les émotions du voisin, de la voisine. D'accord? Il y a des personnes hypersensibles qui captent l'émotion, ce sont les éponges émotionnelles qui captent les émotions de toute la terre entière. Et ça, c'est dur à gérer parce que du coup, si on n'est pas conscient de ça, on se fait bouffer. Donc là, le centre du rayonnement est important, qu'on a vu un petit peu avant, le plexus. Si je ne rayonne pas, si je ne suis pas dans mon amour, dans ma confiance, bah, je vais être envahi par tout ce qui passe autour de moi. Et ça, pour avoir été l'éponge émotionnelle pendant des années de tout ce qui est autour de moi, au bout d'un moment, c'est épuisant, c'est fatigant. Et donc, on n'a plus envie de rien ressentir. Donc, vraiment important, l'émotion, hein, c'est quelque chose qui fait partie de notre fait d'être humain. C'est génial. Voilà, ressentir l'émotion, c'est fabuleux. Mais juste, apprenez à faire le tri entre ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous. Et surtout, une fois que vous l'avez ressenti, identifié, compris, laissez-la partir. En conscience, donc on peut inspirer, expirer, demander à la Terre, on fera ça tout à l'heure, c'est je me libère. Parce que du coup, imaginez-vous que notre corps, il n'est pas extensible. Plus je vais stocker d'émotions, moins il y aura de place pour que l'amour que je suis s'exprime. D'accord ? Donc, des fois, j'ai des gens qui n'ont plus une énergie qui circule parce que leurs mémoires cellulaires sont tellement pleines d'émotionnel qu'il n'y a plus la place pour rien. Notre espace humain, il n'est pas extensible quoi, dans notre corps. Hein. Donc, du coup, c'est hyper important de faire le tri et de libérer. C'est pour ça que sur ce centre-là, l'énergie qui est amenée dans la nouvelle énergie, c'est le violet, la flamme violette de transmutation qui transforme le plomb en or, nos émotions négatives en sagesse.
si j'ai vécu ça, c'est parce que j'étais pas, enfin, si je me mets en colère chaque fois qu'on me questionne le fait que je sois juste, peut-être que je suis pas à l'aise avec moi, voyez, et du coup ça vient jouer là-dessus. Voilà, et l'idée c'est, nous avons un gros travail là, toutes les émotions nous avons toujours bloquées, ben là de les transmuter en sagesse pour que dire, ben voilà, je fais de la place, et vous allez voir que plus vous ferez de la place, plus votre rayonnement, votre amour a de la place pour s'exprimer. C'est ça, on fait souvent le tri des placards au printemps, là, ben on enlève un peu ce qu'on ne veut plus. Ben pour le corps, c'est pareil. Et les émotions sont des grosses mémoires qu'on stocke et qui prennent beaucoup de place. Je vois sourire Isabelle, tu as une question, quelque chose? Comment ça va? Moi, je faisais l'exercice percurs avec l'ordinateur, c'est une catastrophe. D'accord, ok. J'avais des gens en grand plan, je ne savais pas comment j'avais fait, j'arrivais plus à remettre l'écran normal. D'accord, on n'essaie pas des questions. Donc voilà pour les émotions, hein, on pourrait aussi en faire une conférence entière, il y a tellement de choses à dire. Il y a Corinne qui notait en commentaire, éviter l'émotionnel / réactionnel. Non. Oui, effectivement, c'est ce que j'expliquais avec le cœur. Personne qui s'exprime, là, j'entends pas. Effectivement, c'est juste l'émotion en fait arrive et me fait réagir directement. Voilà, merci pour cette précision. Et c'est souvent le cas, la conscience du cœur va amener cette pause. Je ressens l'émotion, mais pourquoi je la ressens? Et surtout, comment je veux agir et pas réagir? Donc effectivement, il y a cette partie-là, au niveau du cœur, je dis, c'est ce gras-là que je vais gagner, c'est des fois une fouillème de seconde. Et là, oh là j'ai la colère qui monte, mais parce qu'il y a ça, donc ok, je balance pas ma colère en face, je dis stop, je suis pas bien, on fait un break, je vais digérer ma colère et je reviens. C'est effectivement ça. Et on le voit aujourd'hui, les gens ont peur. Je voyais des vidéos circuler, j'étais mort de rire, les gens dévalisaient et j'ai vu, alors, pour le Covid, il y a une étude intéressante, il y a des scientifiques australiens, en Australie, les gens se sont rués sur les paquets de PQ, bon, pas qu'en Australie, hein, d'accord ? Pour parler un peu de l'invasion émotionnelle des autres, on va prendre quelque chose de rigolo. Et donc, deux scientifiques sont allés étudier ce phénomène que, hop, vous voyez quelqu'un mettre un paquet de PQ dans son caddie, vous êtes à côté et vous voulez faire la même chose. Eh bien, c'est un phénomène de masse, c'est-à-dire que vous vous retrouvez pris dans l'inconscient collectif de la peur des gens, vous vous retrouvez pris dans leur peur si vous n'êtes pas suffisamment aligné avec vous-même, et même eux qui faisaient l'étude ont dévalisé aussi le rayon de PQ avec les gens, tellement ils ont été pris dans ce mouvement émotionnel de masse de réaction automatique. Les gens disaient, mais ça ne donne pas la chiasse le Covid, pourquoi les gens prennent tant de PQ? Enfin, on en rigolait après, mais c'est vrai que y a des moments où j'ai vu voilà, des gens dévaliser les rayons, ça fait peur. Et du coup, bah, comme disait Corinne, bah, hop, réaction de peur, du coup, si je baisse mes défenses, bah, je suis pris dedans et je réagis. En fait, je ne suis même pas libre de ma réaction. Donc, c'est, voilà, c'est ça qui est important. De voir, donc, ouais, émotionnel, Est-ce que ce que tu appelles alignement, on peut aussi l'appeler maîtrise de soi? Voilà. Et quelque part, c'est la clé pour avoir des réactions à froid plutôt qu'à chaud et de les regretter après. Voilà, c'est ça. Merci Jean-Marie. Effectivement, c'est bah, le cœur, c'est cette maîtrise de soi. Mais en fait, on peut être maître de soi si on se connaît, si on comprend son fonctionnement. Bon, c'est pour ça que j'ai de vous montrer, de mettre en lumière, mettre en conscience tout ça. La conscience, vous savez, Jung disait 95% de notre comportement, c'est piloté par l'inconscient. Hein, on est en mode automatique à peu près 95% du temps quand même, il faut le savoir. Donc, plus on va explorer notre inconscient, plus ben, nous pourrons effectivement être en conscience et agir et comprendre. Voilà. Ben, y a la peur de manquer, certaines personnes qui ont vécu la guerre, etc., ben, elles ont peur de manquer, donc pof, elles font des stocks tout le temps. Mais ça, c'est inconscient. Puis, quand un jour, on se dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah! Et là, je me dis, ah, ben, merci, parce que je n'avais pas conscience que je faisais ça. C'est à ça que voilà, la relation à l'autre aide. Et ce que j'aime beaucoup bah, au niveau du sacré, c'est ce qu'on peut appeler le féminin sacré, le féminin intérieur, c'est le yin, c'est la capacité à, c'est le ventre, donc est-ce que je suis capable de laisser germer mes projets à l'intérieur de moi, donc de m'accorder du silence, de la méditation, des retraites, de me couper du monde extérieur pour écouter complètement mon intériorité et comprendre comment je fonctionne. Cette capacité de réfléchir, de mettre en pause, de dire je coupe tout là, je me retire et je fais germer. Si on ne peut pas faire germer ad vitam aeternam, le bébé après 9 mois, il faut bien qu'il sorte. Hein. Mais c'est important dans un monde de réaction où il y a les réseaux sociaux, on a les chaînes d'infos 24-24, c'est quoi devenir cinglé si on ne débranche pas à un moment donné. On doit dire je prends ce temps, je me retire, je respire.
le vrai féminin intérieur sacré, c'est déjà ça. C'est les prêtresses. Et les prêtresses, c'était le silence, la prière. C'est ce côté, dans les cultures antiques, hein, c'était vraiment ça. Avant, parce que comme je suis posé, comme je vais m'écouter, je vais prendre conscience de tout ce qui se joue à l'intérieur de moi. Je vais voir mon mental, qui me met dans mes petites peurs, dans mes petits schémas, dans des choses comme ça. Je vais voir monter mes émotions. Je vais voir monter pas mal de choses, en fait. Et parce que j'ai cette compréhension-là, je vais acquérir une certaine maîtrise que je peux ensuite ramener au niveau du plexus au-dessus et rayonner et être dans l'action. Mais si je suis tout le temps dans l'action, à aucun moment je me pose et je me dis « Mais je cours après quoi ?» D'accord ? Donc, c'est tout ce côté, je me mets dans mon cocon, je me coupe un petit peu, je m'écoute et il y a pas mal de choses. On va voir tout à l'heure, on va aller dans une retraite, nous allons essayer de prendre ce temps d'intériorité. Parce que voilà, la maîtrise, c'est un travail quotidien, c'est d'écouter son inconscient, d'écouter sa conscience, d'être dans l'observation permanente, mais pas en mode flic. C'est juste de dire, là, j'ai ça qui s'exprime. Ok. Je découvre ça. Parce que nous sommes tous, mais il y a tellement... Et je dis aux gens, mais vous êtes des pépites. Vous ignorez vraiment la lumière, la sagesse qui est en chacun de vous, chacune de vous. Mais c'est phénoménal. Donc, prenez ces moments pour trouver vos talents, quoi. Où je vais passer après, on va avancer, on est bien. Pour continuer, alors là, ça va être un centre hyper important, le centre du troisième œil, qui est entre les deux yeux, et c'est le centre de la vision juste. Mais pourquoi on parle du troisième œil, en fait ? Il y a l'œil, on a un œil à droite, un œil à gauche, donc chaque œil dans chaque cerveau. Il y a le cerveau intuitif, donc on va ouvrir avec le cœur, etc., et puis le cerveau bosseur, cartésien, rationnel, qui lui organise la journée avant même qu'on soit levé, quoi, toute la journée est déjà planifiée. Et bien, c'est que ces deux yeux voient ensemble. En gros, c'est mes yeux, mon œil du cœur et mon œil du mental, ils travaillent ensemble et il n'y a plus qu'une façon de voir les choses. C'est je vois clair, si c'est mon mental, si c'est mon cœur, je suis dans le moment présent, je ne suis plus dans mes démons du passé ou mes peurs de l'avenir, je suis juste là et je regarde les yeux grands ouverts qu'il y a devant moi. Et ce qui va être fondamental dans l'ère du Verseau, c'est d'être son propre maître, c'est ce discernement. C'est est-ce que ce que cette personne me dit me parle, me paraît vrai ? Il n'y a rien de pire que les gens qui veulent imposer une vérité à tout le monde. Il n'y a pas une vérité pour tout le monde. C'est quelle est ma vérité à moi à l'instant T. Et en regardant, est-ce que je suis d'accord là avec ce qu'on me montre ? Est-ce que ça me parle ou pas ? Est-ce que à un moment donné, voilà, je prends un exemple, j'étais allé à un stage, tout le monde m'avait dit « Oh là là, ce type, il est fabuleux, c'est un grand maître de sagesse, machin et tout. Vas-y, c'est génial. » J'arrive, l'aura du mec, elle est grise. Elle est grise. Moi, je m'attendais à voir Dalai Lama, quoi. On m'avait vendu le truc. Sachez pas, au bout de deux jours, je voulais me barrer. Je ne sentais pas le truc, quoi. Je ne sentais pas. Après, ce n'est pas qu'il est méchant, c'est que moi, on me voit quelqu'un qui est hyper sage. Moi, je vois un rayonnement, il y a une lumière, il y a quelque chose qui donne envie. Là, je sentais que ce n'était pas du tout lumineux. Je n'ai pas écouté mon troisième œil, donc je suis resté. Et après, j'ai passé 3 semaines à tout nettoyer derrière, quoi. Voilà, j'ai manqué de discernement. Mais c'est des choses qu'on fait tous. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce que va dire telle personne, c'est vrai ou pas pour moi ? Testez avec votre cœur et cette maîtrise. Ce discernement est d'autant plus important que on est tous nos propres maîtres. Il n'y a plus une méthode de recette de cuisine qui va fonctionner. Donc, il n'y a vraiment que ça. Au niveau de l'œil, c'est voilà, c'est... Est-ce que ça, c'est juste, quoi ? Est-ce que le fait qu'on parle, je ne sais pas, moi, je voyais des gens, je peux vous dire si je sens qu'ils mentent ou voilà. S'ils me disent la vérité, ça me parle. Voilà, ouvrez vraiment vos yeux et regardez vraiment si cette expérience est bonne pour vous, pas bonne pour vous. Si cette personne va vous apporter du positif ou pas. Ce n'est pas parce que telle personne dit que c'est un grand maître qu'en fait, c'est quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de positif. C'est l'expérience que j'ai eue, mais là, c'est tellement important ce point-là. Et je crois que ça, c'est fondamental de vous écouter, de vous faire confiance. Voilà. Parce que dans ce monde, y a tout et n'importe quoi aujourd'hui. Je vais voir la discussion, est-ce que je vois ou pas.
J'ai juste précisé que c'est juste pour soi et pas pour les autres, ce que tu dis. C'est vraiment, ça nous appartient. Voilà. Voilà. C'est hyper personnel. Et comme je disais, bah, des gens avaient eu beaucoup de bonnes expériences avec ce type-là. Ça peut dire qu'il était nul. C'est que pour moi, je n'avais rien à faire là parce qu'il ne m'apporterait rien du tout, en fait. Et puis, c'était aussi une formation à 45 personnes. Et là, moi, discernement, je me dis, mais ça, c'est du business pour moi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être 45 personnes à avoir payé chacun 800 balles la semaine? Je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Enfin, voilà, je, personnellement, après, ce n'est pas un jugement. C'est... Là, je me suis dit, non, il faut que je m'en aille. Et là, on se retrouve d'ailleurs avec l'estime de soi, où il faut avoir courage de dire... Parle plus près du micro, Isabelle, je n'entends pas bien, par contre. Un rapport avec l'estime de soi, où là, on s'affirme en tant qu'individu, comme quoi, bah, effectivement, ça ne nous convient pas et donc on assume les choses et voilà. On s'estime. Voilà, bien dit Isabelle. Et c'est effectivement ça. Vous voyez, ces sept centres ne sont pas séparés, ils interagissent les uns avec les autres. Et c'est effectivement, si j'écoute, donc c'est le centre de l'intuition aussi, si j'écoute mon intuition et que je me fais confiance, bah, mon estime de soi va monter puisque je me suis écouté, je me suis fait confiance. À l'inverse, si tous les signaux que je reçois, c'est « barre-toi » et que je n'y vais pas, bah, je baisse dans mon estime parce que je ne me suis pas écouté. Et c'est très personnel. Et ça, il faut l'avoir vécu pour le... Voilà. Mais soyez conscients qu'effectivement, tous les sept centres sont en lien. Ils interagissent bien les uns avec les autres. Et là, bah, si on voit et qu'on ne s'écoute pas, bah, pof, le plexus, il emprunte. Hein, tu te rappelles mon stage avec Tal Scheller, j'ai eu le même problème, rappelle-toi, quand on était 50 là, pour le stage de médium. Mmh. Oui. Non, mais... Voilà, exactement donc, pareil. Voilà, et tu as cette sensation-là aussi. Donc, voilà, nous, il ne parlait pas d'enracinement, il ne parlait pas d'être dans son corps, il ne parlait pas d'être les pieds sur terre. Par contre, il fallait être dans l'akashique toute la journée. Mm. Voilà, les gens n'étaient pas… Et en fait, c'était bah, c'est l'endoctrinement New Age. On peut voir ça. Hein. C'est voilà, il faut croire que d'une façon, il faut respecter ça. Si tu ne penses pas comme ça, tu es un con. Et ça, pour moi, c'est de l'endoctrinement. Donc, faites attention aujourd'hui, surtout malheureusement dans le domaine spirituel, où il y a de tout et n'importe quoi. Comme dit Isabelle et même Sabrina, faites-vous confiance. C'est fondamental. Écoutez-vous et ne vous laissez pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? On l'a vu avec mon très grand ami Donald Trump aux US. Il a fait un discours devant le Parlement et il a dit « Allez, marchez sur le Parlement ben, !» Les gens ont marché. Donc, leur énergie a été mise au service de Trump qui voulait faire renverser le Parlement. On ne sait pas si c'est conscient ou pas. Imaginez que les gens sont devenus des robots et sont allés cramer, voilà, attaquer, je ne sais pas, bref, leur Parlement. Ça, c'est l'aura d'un type qui écrase la vôtre et vous n'êtes plus vous maître de vous-même. Vous êtes esclave énergétiquement de cette personne-là. D'accord ? Et il y a, malheureusement, faisons attention, de plus en plus de personnalités comme ça, très fortes, très écrasantes. Et votre discernement, s'il n'est pas là, voilà. Si, moi, je vois beaucoup de gens qui disent je, c'est vraiment séparer les gens. Est-ce que je suis en train, là, de me couper en deux, de donner mon énergie à quelqu'un qui s'en sert à l'insu de mon plein gré? Ou est-ce que je reste dans mon unité, dans ma sagesse, et je me fais du bien en faisant ce que je fais? Vous voyez un peu la nuance? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut vraiment faire ce discernement, parce que ça peut aider certaines personnes qui sont à un moment donné de leur évolution, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Donc, il faut bien faire attention. Ensuite, c'est vrai que quand on est à 50, il y a une énergie qui est transmise, qui peut aider d'autres à évoluer. Même si nous, on n'est pas forcément concerné, c'est pas le bon moment pour nous. Mais ça peut être aussi la personne qui fait la conférence, c'était pas le bon moment pour elle de faire cette conférence. Ça arrive à tout le monde, hein. On n'est jamais au top niveau à 100% en permanence. Voilà, c'est surtout de pas avoir de jugement ou d'idées préconçues dans le futur par rapport à ce qui s'est passé. Mais vraiment, en ce moment, plus il va y avoir les anti-vaccins, les pro-vaccins, les pro-masques, les anti-masques. Tout ça, c'est l'ancien monde. Encore une fois, ce discernement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vend comme plat? Est-ce qu'on essaye de me diviser, de me séparer des autres? Et donc, je vais aller taper sur mon voisin parce que... Non, mais on va aller où, quoi? C'est là, en fait, que vraiment le discernement est important. Comment je vais utiliser mon énergie aujourd'hui?
Il n'y a pas d'anti ou pro. Ceux qui sont OK, c'est leur expérience. Ceux qui sont contre, c'est leur expérience. Mais de là à dépenser votre énergie folle, et je vois des gens sur les réseaux sociaux à passer leur temps à vouloir convaincre les autres qu'ils ont raison, c'est une expérience qu'ils font. Moi, je n'ai pas envie de dépenser mon énergie à passer ma journée à dire « t'as raison, j'ai tort ». Pour moi, c'est chacun vit l'expérience qu'il a à vivre, point. Et c'est OK avec ça. C'est vraiment ce choix-là, et je reste un peu dessus parce que tout ce que vous allez investir après votre énergie, dedans, vous ne pourrez pas la mettre ailleurs. Donc, si vous dites, et c'est votre expérience, on a j'en connais qui sont US, qui sont à fond pour pro-Trump, on a volé l'élection, machin. Bon, OK, c'est leur truc, mais ils ne font que ça et ils se coupent de toutes les personnes qu'ils avaient autour d'eux. Il y a même des couples qui se séparent à cause de ça. C'est une expérience aussi. Mais des fois, de dire, bah, peut-être que je vais un petit peu trop loin. Et donc, de toute façon, on va tous se planter. L'idée, c'est qu'on se plante tous, de toute façon, et qu'à chaque fois on se plante, eh ben, on apprend, on avance. Si la vie était parfaite, on resterait chez les anges, on ne viendrait pas sur Terre. Hein. Donc voilà, sur Terre, on apprend aussi en se prenant des murs, des portes, c'est OK, c'est pas toujours marrant, mais voilà. J'ai vécu des choses, moi, complètement à côté de la plaque. En 2015, mon monde s'est effondré, mais parce que j'ai manqué totalement de discernement. Donc du coup, j'ai fait des trucs, et puis après, tout s'est écroulé derrière. J'avais pas voulu voir, évolue maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as fait? Ah OK. Et j'avais pas du tout conscience de ce que je faisais, mais j'ai pris conscience, du coup j'ai rectifié, j'ai changé. Donc voilà, prenez ce recul nécessaire, écoutez votre intuition. Et je regarde l'heure, ça va. Ouais. La couronne, bon là c'est vraiment un centre extrêmement spirituel qui est notre lien avec la source. La source, dans ma vision des choses, comment les guides me montrent, nous sommes tous un petit morceau de source en tant qu'humain, et à travers chacun des humains, la source va expérimenter quelque chose. Et ce qui fait que nous sommes donc tous connectés entre êtres humains au niveau du cœur. Si tout allait bien, nous serions complètement dans cette énergie d'amour universel. Voilà. Et en ouvrant vraiment la couronne, vous avez ces personnes qui vivent les expansions de conscience, hein, les EMI, les expansions de mort imminente. Elles ont cette ouverture-là et pouf, elles partent. Et elles vont visiter, elles vont voir à travers ce tunnel pas mal de choses. Hein, toutes ces personnes qui ont vécu ça, elles ont vu une autre réalité. Et donc, c'est le centre de l'unité, c'est de comprendre qu'en fait, comme je disais au début, ça va être de comprendre que ce n'est tous humains et c'est tous OK. À chacun à son niveau de conscience, chacun est à sa place. Il n'y a pas à dire ceux qui sont nuls, on les dégage. Non. La Terre, ce n'est pas un paradis. La Terre, c'est un lieu d'expérience où chacun avance à son propre niveau de conscience. Là où aujourd'hui on se fait botter le cul par l'univers, c'est qu'on s'est un peu endormi sur nos lauriers et nous n'avons pas avancé assez vite. Donc du coup, la Terre, elle monte, elle dit c'est bon, moi je vais monter, je vais faire mon truc, il faut que les humains y suivent derrière. Donc c'est pour ça qu'on est un peu plus poussé que d'habitude à avancer. Mais l'idée, c'est tout est OK. Et donc, c'est est-ce que je me sens que je suis aligné avec moi-même, maître de moi-même, en phase avec moi-même, heureux et rayonnant, ou est-ce que je sens que ce que je vais faire, je vais me couper en deux, je vais mentir à moi-même, je vais me casser en deux. Est-ce que je suis dans mon unité ou je me casse un morceau de mon cœur? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est la présence, c'est mon âme qui s'exprime à travers moi. C'est avoir la force, le courage de dire je laisse tomber l'ego. Je donne une foi complète en mon âme et tout ce qui va arriver va me guider. Je vais être guidé par tout ce que je vais vivre pour m'amener sur mon propre chemin. Et en laissant la présence s'exprimer, j'ai plus ce mental qui tourne en boucle, j'ai plus ces peurs, je suis dans l'amour. C'est génial. Voilà, c'est juste. Et la peur de la mort, c'est quoi? C'est que j'ai peur que je ne suis rien et que, en fait, je disparais. Et bien, quand je suis dans cette énergie d'unité, je sais que ici, c'est un théâtre où j'expérimente. La vraie vie, c'est là-haut. Hein, moi, je dis aux gens, si je dois mourir de la Covid, c'est mon destin, pourquoi pas? Je suis tellement mieux là-haut qu'ici, parce que je sais que là-haut, c'est l'amour, les anges, tout ça, c'est génial. Non, je suis ici parce que je dois vivre des choses ici. Et quand j'aurai fini de vivre ce que j'ai fini de vivre, je pars et une partie de moi va rester, va emmagasiner tout ce que j'ai vécu et va monter là-haut. Il y a un biologiste français, qu'on ridiculise, qui s'appelle Émile Pinel, qui a étudié et franchement, il a fait des travaux extraordinaires. Son livre est un peu complexe, s'appelle « Vie et mort », on peut le trouver gratuitement en PDF, je vous le taperai dans le chat. C'est un monsieur qui fait sa carrière après-guerre, après 45, et dans l'immunité, justement, et qui est considéré comme un des pères de l'énergétique en France, parce qu'il a
pris les équations d'Einstein, grosso modo, parce que bon, c'est complexe, il a pris les équations d'Einstein, il les a appliquées à la cellule biologique. Et son travail était de dire, bah, quand les gens sont malades, je vais choisir quand je leur donne leurs médicaments et je regarde leur cycle du système immunitaire. Et quand le système immunitaire est au maximum, je donne le médicament. Et bien, il arrive à des taux de guérison quasiment à 100% en faisant ça. Alors que s'il donnait le médicament n'importe comment, bah, du coup, c'était pas en phase. Le médicament n'était pas en phase avec le système immunitaire des gens. Et il est allé plus loin. Il a démontré l'existence de la réincarnation scientifiquement. Il a dit qu'il y a 3 champs énergétiques chez l'humain, et dont un qui survit après la mort. Donc, ça, c'était dans les années 70, je crois. Il est mort années 80, je crois. Voilà. Et donc, il parlait de tout ce qui est énergie, tout ce qui est physique quantique, etc. Voilà, il est dans cette mouvance-là. Et ce gars, c'est un grand biologiste. Je ne sais plus si c'est lui qui avait aussi calculé le poids de l'âme quand les personnes décèdent. Je ne sais plus si c'est lui ou pas, mais… Peut-être, oui. Les fameux 21 grammes, calculé, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Oui, je ne sais plus. Ça serait bien de regarder. Bon, son livre est hyper complexe et scientifique. Bon, comme je suis ingénieur, j'ai pu comprendre un petit peu ce qu'il disait. Mais son message est quand même clair, quoi. Le gars, il enterre son père, il dit bah, « je sais que mon père survit et qu'il va ailleurs, enfin, moi je vois ça, waouh !» Et ça, c'était il y a longtemps, donc il y a vraiment ça. Et donc, il y a ces fameuses, voilà, cette unité et le fait que nous sommes éternels et à travers… Voilà, Julien, c'est un corps, c'est un prénom, c'est une identité, une personnalité qui est là pour expérimenter des choses. Et quand je serai parti, ça sera autre chose. Et de ne pas m'accrocher à ça et croire que… je suis le début, la fin. Non, je suis une partie de mon évolution. Il y a un parent qui demande, c'est l'aboutissement de ton expérience terrestre, donc à la fin, point d'interrogation. La source. Ouais. C'est l'aboutissement de ton expérience terrestre. Ouais. Donc, je ne comprends pas trop bien la question. Non, je pense qu'effectivement, quand on passe de l'autre côté, qu'on retourne à la source, oui, l'idée, en fait, c'est que nous venons de la source et à travers des incarnations sur Terre ou ailleurs, dans des dimensions plus spirituel, effectivement, petit à petit, nous retrouvions le chemin de la source et de l'unité pour ne plus être divisés et effectivement retourner l'aboutissement de l'expérience à la fois humaine et d'incarnation, c'est vraiment de retourner là où nous venons. Et la source étant amour, unité pure, inconditionnelle, sans jugement, sans se séparer de qui je suis, forcément, ça prend du temps entre la descente et la remontée. Le but de la réincarnation, c'était ça, et voilà. Enfin, pour terminer, parce que je vois le temps pas mal papoté, mais en dernier, je voulais vous parler de la racine. Alors, ça peut paraître bizarre de faire la racine en dernier. Alors, toujours à chaque niveau de conscience où je travaille, je demande aux gens de s'enraciner un minimum, donc de se connecter à leur corps, ça oui. Hein, mais la racine, c'est le centre de nos fondations. On est là sur le cerveau reptilien, donc le plus archaïque. On est sur le mode automatique et donc il y a beaucoup de violence parce que c'est le centre de la peur. En lien avec les reins, les surrénales et la production d'adrénaline et de cortisol. Donc, on est sur un centre où il y a beaucoup de peur et la peur, en fait, ça peut faire paniquer des gens en travail individuel ou en séance. Et donc, c'est pour ça que je recommande plus aux gens d'attendre un minimum de stabilité, d'éveil avant d'aller creuser très profondément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'enraciner ou se connecter à la terre avant, mais ça veut dire qu'il faut attendre avant d'aller creuser profondément. Et c'est vraiment les fondations, c'est comment je me suis construit. Quelles sont mes croyances, du coup? Parce que pendant l'enfance, on vous dit il faut être comme ci, il faut être comme ça, selon la société, selon l'éducation, selon la famille, etc. Et du coup, d'aller voir comment je me suis construit d'un point de vue croyance. Donc, je crois qu'il faut être parfait, qu'il faut se dépêcher, ou faire des efforts, ou il faut être gentil, ou il faut être méchant. Enfin, voilà. Comment je me suis construit? Quelles sont mes croyances? En gros, quelles sont les racines de mon arbre? C'est la métaphore que l'homme est un arbre et qu'en fait, là, on est dans les racines. Et c'est ce qu'il y a des choses. Maintenant que j'ai ouvert ma conscience, maintenant que j'ai ouvert mon cœur dans mes croyances, ils font que ça bloque. Voilà. Ou pas. J'accompagne pas mal de gens. Au bout d'un moment, quand il y a suffisamment de cœur, d'amour, le travail dans l'amour nous protège vraiment du jugement, de la décompensation dont certains parlent, c'est je lâche. Et du coup, quelles sont mes croyances? Et encore plus loin, quelles sont mes mémoires? Là, de plus en plus, avec l'épigénétique, on travaille sur l'ADN, hein, l'ADN qui est notre molécule biologique d'information, et nous nous rendons compte, les scientifiques se rendent compte que c'est bizarre, telle personne a le même gène que l'autre, mais une l'exprime et l'autre pas. Et même chez les vrais jumeaux, dans le même génome, ne se comporte pas de la même manière. Donc, il y a quelque chose qui fait que, même si j'ai la même mémoire biologique, je m'exprime différemment.
Et donc, dans cet ADN aussi, il est montré qu'il peut être modifié par des émotions, par des choses de stress. Et donc, notre ADN, c'est quoi? C'est tout sauf moi. C'est 50% maman, 50% papa. Merci les parents, je récupère la moitié de chacun. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, dans l'ADN, les traumas familiaux peuvent, les comportements familiaux peuvent se reproduire et nous être transmis inconsciemment. Hein, il y a des familles où régulièrement, où c'est un enfant caché, où c'est pas l'enfant de machin et c'est l'enfant de l'autre, mais bon, on connaît quand même parce que voilà, faut pas que ça sache, où c'est le silence, on dit rien. Il y a énormément de choses, hein, dans ça, on est dans le champ de la psychogénéalogie, hein, qui est extrêmement vaste, et c'est valable aujourd'hui parce que, en fait, l'énergie est tellement forte que tout remonte. Toutes nos sombres les plus obscures, tout ce qu'on a peur de voir remonte, parce que imaginez, ben, comme si le fond de la mare était monté au niveau du ciel, quoi. Il y a des, dès qu'on travaille, tout ce qu'on n'a pas voulu voir au plus profond de nous remonte. C'est pour ça que ce niveau-là, il faut y aller mollo, parce qu'on est au plus profond de notre être et de notre structure. Il n'est pas question, on a un château de cartes, de faire tomber le château de cartes, d'accord, de y aller vraiment très, très, très en douceur. Et donc, il y a tout un travail de prise de conscience de ces mémoires. Et en ce moment, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, d'où les gens qui sont assez perturbés. Et c'est un petit peu compliqué pour eux. Oui, 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 ben on le voit là avec le MeToo inceste. Hein, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses qui sortent. Hein, c'est triste, mais en même temps, c'est la réalité avec l'affaire là, Olivier Duhamel, etc. Il y a énormément de choses au niveau familial qui remontent. Et dans l'éveil, dans cette prise de conscience, il est aussi important de dire, ben voilà, qu'est-ce que dans mes ancêtres je porte qui ne me correspond pas? Et d'apprendre à le laisser partir, en fait, et de ne plus le porter, parce que ben, du coup, ça va alléger vous, vos enfants, etc. Et ça va aussi libérer vos ancêtres de choses qu'ils ont portées. Des fois, ce n'est même pas la peine de chercher précisément à savoir ce que c'est. Hein, parce que, de fait, moi, je suis un peu contre le fait d'aller creuser dans le passé, parce que le cerveau, si on vient trauma, je n'ai pas la différence entre le passé et le présent, donc il peut vous remettre une couche de mal-être, mais juste de dire je libère et je fais la place par rapport à ce qui est vécu avant, ça suffit. Hein, je pense qu'il y a aussi, j'ai accompagné beaucoup de femmes malheureusement qui ont vécu des choses d'abus, hein, dans l'enfance ou à l'adolescence, et tout le travail c'est de dire bon ok, j'ai vécu ça, mais maintenant j'aimerais le laisser partir. Parce que là on est sur la sécurité, hein, on est sur des choses quand même assez importantes, et voilà, il y a des personnes qui ont peur tout le temps, mais parce qu'elles ont vécu ça, qu'elles n'arrivent pas à s'en défaire. Donc, il y a tout un travail de libérer la mémoire. Que, bah, tiens, si je mets une jolie robe, je suis en danger, quoi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Donc, c'est vraiment de quelle est la mémoire que j'ai, hop, je laisse partir ça. C'est là que c'est pour ça que c'est le, je me demandais, c'est le plus difficile à travailler. Parce que les instincts comme ça à libérer, c'est complexe. Donc, voilà pour le balayage des niveaux de conscience. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'expérimentation? Il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions. Ah oui, je vois Véro, très difficile, mais libérateur. Oui, j'ai, par exemple, j'ai une personne qui avait été accouchée sous X, qui était venue me voir et qui cherchait à comprendre ses origines et qui était très en colère contre sa mère biologique. Et ce qui l'a perturbée, c'est qu'on ait réussi à remonter au moment où elle a été abandonnée et il n'y avait que de l'amour. Cette femme, elle ne pouvait pas élever sa fille, donc elle l'avait donnée. Parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas lui apporter d'amour. Donc, c'est très, très difficile des fois et c'est libérateur. Donc, mais ça, c'est un travail qu'on fait quand on est suffisamment stable dans son cœur et bien dans ses baskets. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. C'est comme les tentations d'hypnose régressive à tout va, aller voir des vies antérieures. Faites attention à ça. Ça peut vraiment vous déstabiliser si vous n'êtes pas prêt. Et puis, quel est l'intérêt de creuser, en fait? J'ai aux gens, mais creuser uniquement si au quotidien, ça vous bloque, si vous n'êtes pas maître de vous-même. Quoi. Voilà. À moins que ça soit quelque chose que l'on ait vraiment besoin de travailler, et auquel cas ça revient en permanence. Donc là, on sait qu'on doit travailler dessus. Voilà. C'est ça. Alors, Jeanne, comment retrouver la joie au fond de son cœur? Ah, ça. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est est-ce que vous avez déjà ressenti de la joie dans votre vie? Si déjà, à un moment de notre vie, c'est ça. Normalement, en général, nous avons toujours eu un moment de joie. Il y a des fois, on n'en a pas un. C'est peut être intéressant de se rappeler, d'aller chercher ce sentiment et de le ramener au présent. Comme j'expliquais avec le temps quantique, on peut aller chercher une joie du passé, la mettre au présent et ça peut nous envahir et nous libérer. Après,
si on ne ressent pas la joie, je dirais, c'est qu'il y a un voile devant. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être heureux? Qu'est-ce qui, fondamentalement, est-ce que c'est, quelle émotion? Est-ce que c'est j'ai peur? Est-ce que je ne m'aime pas assez? Est-ce que je dépends trop du regard des autres? Là, il faudrait aller creuser un petit peu plus. Je vais vous faire faire un petit voyage pour mettre une graine dans votre cœur, Jeanne. Déjà, on verra si ça fonctionne. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux commenter ou d'autres d'ailleurs. Mais je pense que c'est... Déjà, d'après ce que Julien, tu disais tout à l'heure, justement, le fait de se libérer, là, on retrouve la joie. Parce que moi, pour l'avoir fait, je me suis non seulement libérée, mais j'ai aussi libéré mes filles. Et ça a été... c'est magique. C'est magique, je ne suis plus la même. Je dirais donc oui, la joie, oui, à savoir si... moi, je dirais que la joie, je l'ai retrouvée parce que je me suis libérée, justement par rapport à ce passé qui était assez lourd. Donc oui, on a tous le droit d'être heureux. Voilà, et effectivement, plus comme je vous montrais, en fait, c'est ces sept niveaux, c'est les sept couches où je peux avoir un blocage. Et merci pour le partage d'expérience, ça rend la conférence interactive, parce que bon, voilà, je ne vous ai pas devant moi dans une salle, mais n'hésitez pas à intervenir. Il n'y a que comme ça. Et en fait, imaginez que toutes les mémoires qu'on porte, on a cette flamme au niveau du cœur qui est toujours là. Mais imaginez que vous portiez vos ancêtres, vos émotions non réglées de cette vie, de toutes les vies d'avant. La petite flamme, voilà. La libération, elle se fait en accompagnement. Je pense que là, si vraiment vous ne ressentez beaucoup de travail. Beaucoup de travail sur soi, je dirais. Alors moi, j'ai toujours été quelqu'un de très résilient, donc ce qui m'a beaucoup aidé, je dirais. Mais bon, je raconte pas ma vie, mais j'ai eu de l'adoption, j'ai eu de l'inceste. Et je dirais que oui, maintenant, je suis heureuse. Oui, maintenant, j'ai réussi à me sortir de ces chaînes, en fin de compte. J'ai coupé les chaînes pour, en fin de compte, me fabriquer ma propre vie et celle que j'avais envie de vivre, que je fais en plus maintenant en aidant les autres. Parce que je me suis aidée moi-même et maintenant je peux aider les autres. Donc c'est génial. Voilà. Mais là, c'est vrai que la libération de mémoire tout seul, ça ne peut pas se faire. Il faut se faire accompagner par quelqu'un avec qui on est en confiance. Non. Parce que vraiment, ce qui va être fondamental, c'est que la personne vous accompagne, vous ayez confiance en elle. S'il n'y a pas de confiance entre la personne qui vous accompagne et vous, ça ne va pas marcher. Et n'attendez surtout pas que la personne le fasse à votre place. Pour moi, l'objectif vraiment de la libération, c'est que la personne vous tienne la main et vous accompagne et vous guide dans ce travail. Comme ça, vous pourrez en sortir plus forte. Et vous pourrez vraiment comprendre comment le faire plus tard. Au début, pour moi, c'est de l'accompagnement individuel. Je ne vois pas autrement. Y a pas de... Je crois qu'on l'accepte mieux aussi quand ça vient de notre part. Plutôt que si on nous disait de faire telle et telle chose, je pense qu'on... Non. Mais le fait de trouver en plus soi-même la solution, on va dire, on est encore d'autant plus fiers. Et je pense que ça a plus d'impact. Oui. Voilà, moi, exactement. Je l'ai pris comme ça. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne forcez jamais à quelqu'un, oh, bah, tu ne vas pas bien, on va te faire suivre. Alors ça, c'est la pire des choses, vous allez fermer la personne, ça ne marchera pas du tout. S'il n'y a pas d'envie de... Les gens sont demandeurs. Voilà, si les gens n'ont pas envie d'aller mieux, ben, ça va être compliqué. Le problème, c'est que le mental nous maintient dans ce mal-être parce qu'il a peur de l'inconnu. Imaginez, moi j'ai des gens que j'ai accompagnés pour la douleur chronique. Voilà. C'est ça, ça secoue. Et puis, je dis aux gens, mais imaginez que vous n'avez plus mal demain. C'est une personne qui avait une grosse sciatique depuis 6 mois, avec tous les examens, les médicaments antidouleurs n'avaient plus d'effet. Du coup, tout le monde était aux petits soins avec elle, s'occupait d'elle, elle se faisait conduire, on lui faisait ses courses, tout le monde avait peur qu'elle se fasse mal. Donc, j'ai senti que c'était important que je dise, mais si demain, tu n'as plus mal et que tu dois reprendre toute ta vie toute seule, comment ça va être? Elle a eu une hésitation, c'est normal, le mental, il connaît la douleur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer la douleur. Et bien, après, il y a un vide s'il n'y a plus de douleur. Donc, vous voyez, c'est une question de… Voilà, il ne faut pas forcer les choses, il faut y aller doucement. Quelqu'un qui soit à votre écoute et effectivement qui vous respecte parce que… Voilà, j'ai une personne la semaine dernière. Pas de jugement. Je dirais, c'est important. Alors moi, comme par hasard, j'ai une fibromyalgie, qui pour moi n'est pas du tout un hasard. Et qui, justement, a vraiment diminué depuis que j'ai commencé à prendre soin de moi, de m'occuper de moi et de m'occuper, justement, de ce passé, en fin de compte. C'est ça. Et c'est un exemple. Moi, je me rends compte que la semaine dernière, j'ai une personne qui est venue pour la première fois. Je travaille avec une psychologue. Pour moi, c'est quand je sens que les gens ne sont pas suffisamment structurés, je les envoie voir une psychologue parce que je ne peux pas prendre des gens qui vont… Voilà. Mais
Donc, la psychologue m'envoie cette femme en me disant, bah, écoute, ça fait un an, je la sens bloquée, on n'avance pas. Et cette femme arrive, près de 33 ans, assez jeune, elle me dit, bon, ben voilà, problème assez personnel assez fort. Et puis d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Et en fait, normalement, moi, j'ai un protocole de séance où je fais ci, je fais ça. Et en fait, eh ben, elle est juste venue dans mon cabinet pour pleurer. Elle a pleuré pendant 20 minutes parce qu'il fallait juste qu'elle lâche. Et ce n'était pas à moi de lui imposer d'aller faire ci, d'aller faire ça. Pour une première séance, elle vient dans mon cabinet, elle pleure. J'appelle la psy pour lui faire le compte-rendu. Elle me fait, mais c'est génial, ça fait un an que je la vois, elle pleure jamais chez moi. Bah, je dis, ben voilà. Elle s'est libérée. La première étape, c'est il fallait qu'elle pleure. Je n'allais pas lui dire, bon, alors, on va ouvrir votre cœur, on va faire comme ça. Non, je ne l'aurais pas respecté qui elle était. Et j'ai senti qu'il fallait que je la laisse pleurer. Que je lui laisse un mois pour respirer, qu'on se revoie dans... Voilà. Et c'est ça, en fait, l'accompagnement par le cœur, c'est vraiment... C'est dire, mais je respecte. Et en fait, voilà, de prendre ce moment. Ben voilà, Jeanne, j'ai vu votre message, mais effectivement, je partage mes coordonnées après. Mais l'idée, c'est de trouver la personne qui vous correspond, où vous êtes en confiance, et d'y aller tranquillement. Et surtout, il y a. Je pense qu'on doit s'adapter, ouais. Il n'y a plus de recettes de cuisine. On doit s'adapter vraiment aux gens. Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, je le découvre de plus en plus au travers des séances que je fais, des séances énergétiques. En fin de compte, j'avais un protocole et je m'aperçois que ce protocole, bah, non, c'est en fonction de chacun, en fin de compte. Oui, c'est ça, en fait. Et moi, j'ai commencé à former des gens, mais je leur ai dit, mais je ne vous forme pas, je ne vous formate pas. Je vous montre un peu ces niveaux de conscience, je vous montre la façon d'accompagner avec le cœur, mais j'aimerais que vous construisiez votre propre méthode. Et puis, en plus, ça peut changer du jour au lendemain. C'est, ouais, bah, tiens, c'est comme la musique tout à l'heure. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de recette, mais ce que je vois, moi, voilà, c'est la personne qui était dans le contrôle, qui faisait une scène à chaque fois qu'elle avait pas ce qu'elle voulait en mode victime, plus, et bien la quatrième séance, elle s'est sentie envahie d'amour. Et pendant 30 minutes, son corps, elle m'a dit, mais je suis envahie d'amour et j'ai senti que de l'amour, c'est génial. Vous voyez ? Et c'est vraiment, bah, elle était prête au bout de la quatrième séance, elle avait lâché petit à petit, le mental avait baissé ses défenses. On avait fait de la place et hop, son cœur s'est ouvert. Elle a dit waouh. Bah, je dis bah oui. Voilà. Et c'est génial d'accompagner les gens comme ça vers ça. Quoi. Et puis chacun a son rythme à sa manière. Oui, son rythme. Et puis mais bon, c'est vrai que quand on voit les résultats, c'est magique. C'est magique. C'est ça. Et surtout de prendre conscience que c'est vraiment à nous de faire le travail et que la personne qui accompagne, ça, je ne veux pas thérapeute, mais vraiment si je vous accompagne. Parce que je vous accompagne, parce que j'ai cette conscience et j'ai vécu des choses qui font que je peux vous accompagner, mais je ne fais pas le travail à votre place. Voilà. Non, c'est tout à fait ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions de personnes qui veulent intervenir ? Non ? Alors, je voulais peut-être juste, en quelques mots, Isabelle, si tu le permets, je voulais juste parler un petit peu de mon livre avant de passer à l'exercice. Donc, je voulais juste vous montrer. Alors, c'est un outil, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi, j'avais demandé à mes guides un outil pour accompagner les personnes. Et c'est des peintures que vous avez vues dans la conférence. Ce sont des peintures inspirées que j'ai reçues. Donc, c'est ça s'appelle Les énergies de l'âme. Donc, je l'ai fait éditer à titre d'auteur. Donc, je le vends. Il n'y a que moi qui le vends. Et l'idée, c'est vraiment 39 cartes qui représentent 39 couches de nous en tant qu'humains. Et 39 parties à explorer. Donc, vous verrez, elle a mis mon site. Je fais une démonstration du jeu. Vous pourrez voir beaucoup plus de cartes. Je ne peux pas tout vous montrer. Ce qui est important, c'est que c'est pour vous responsabiliser. Moi, je l'utilise en clientèle ou en individuel. On peut tirer une carte au hasard pour voir quelle partie nous avons à travailler. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, vous avez un message et surtout un exercice. C'est un livre, en fait, avec les 39 cartes. Vous avez 39 messages et 39 exercices. Donc là, c'est la carte centrage, par exemple. Donc, ça explique qu'est-ce que c'est que le concept de centrage. Et après, un exercice pour renforcer le centrage tous les jours chez vous. Donc, c'est un outil pour vous autonomiser et vous aider à avancer. Donc, effectivement, si j'avais été à Moret, j'en aurais eu en stock. Ce que j'ai fait, Isabelle, c'est que j'ai mis un code que les gens peuvent acheter. J'offre les frais de port, si les gens sont intéressés. Donc, je le montrerai à la fin. Bah, 39 cartes. Juste préciser, quand on tire une carte, il n'y a jamais de hasard. Hein. Donc, c'est vraiment la carte qui correspond au jour et à l'instant présent.
Voilà. Alors, Jeanne demande pourquoi 39 cartes. Ben, en fait, à la 39e, mes guides m'ont dit c'est terminé, tu t'arrêtes là. Donc, en fait, voilà, j'ai 39 parce que bah, 3 plus 9, ça fait 12. C'est quand même un chiffre intéressant. Et il y a aussi 12, c'est 1 et 2. C'est 1 l'unité, 2 la dualité. Donc, c'est aussi peut-être un jeu qui vous permet de voir. Vous verrez, voilà, il y a… non, ce n'est pas un oracle. C'est vraiment quelle énergie j'ai à travailler. Et bah, je vais vous montrer. Bah, tiens, voilà, par hasard. Là, j'ai la carte harmonisation énergétique. Donc, vous voyez, on voit pas mal de gris, pas mal de choses autour de l'âme. Donc là, c'est la flamme violette qui va venir purifier et libérer l'énergie. Oui, on peut commander sur le site et je vous ai mis un code qui s'appelle, je vais vous le taper, ça vous permet de… c'est port, plus loin, offert. Voilà, j'en ai mis et vous avez, quand vous commandez un jeu, il n'y a pas de frais de port. Donc, ça vous permet de l'avoir. Il coûte 35 euros. Et c'est un outil que voilà, j'ai demandé au guide par rapport à comment les gens peuvent travailler en dehors des séances. Donc, on peut le faire à plusieurs. Moi, souvent, quand les gens viennent pour la première fois, je leur fais tirer une carte. Ça leur permet voilà, de regarder, de se poser la question. Ben, voilà, Sabrina, elle le montre, elle l'a. La nana, je l'ai, la nanère. Voilà. Juste une question, les cartes sont bien fournies avec le livre. Oui, c'est les deux. Voilà, donc c'est le livre en couleur avec les cartes. Et effectivement, bah, voilà, là, vous en avez vu pas mal. Et alors, par exemple, en clientèle, je le pose sur le corps de la personne. Si vraiment, il y a un blocage et qu'on n'arrive pas à libérer, bah, les cartes sont chargées de géométrie sacrée. On peut les poser sur le corps de quelqu'un, sur son corps à soi. Il est vraiment flexible et vous permet vraiment de vous connecter à vous-même. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez n'hésitez pas à m'en parler. Et également, juste si vous souhaitez me suivre, voir un peu mes activités sur ma page d'accueil de mon site, donc qu'elle a mis dans le chat, Isabelle, vous pouvez vous inscrire à ma lettre d'information en bas à droite. Mettez votre email et vous cliquez. Alors, je ne vous fais pas du spam, j'envoie une fois par mois mes activités et j'explique en fait l'individuel, voilà, le collectif. Je fais aussi des ateliers sur Zoom en attendant de pouvoir faire du présentiel. Et comme Isabelle, je pourrais proposer un atelier à Moret-sur-Loin dès que ça sera possible, comme à Morlaix aussi, Saint-Paul-de-Léon. En attendant, voilà. Mais ça vous permet de voir. Et surtout pour le jeu, regardez, il y a une petite vidéo de 2 minutes 30. Voilà. Donc, voilà pour le petit coup de pub. Le jeu de cartes, je peux m'en servir. Le jeu de cartes, je peux m'en servir quand je fais les séances énergétiques ? Oui, 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 tout à fait. Moi, je m'en sers en séance. L'exemple que je donne, il y a une personne qui avait un blocage par rapport au yin-yang, donc au masculin, au féminin, et j'avais essayé de la faire visualiser. Il y avait un blocage corporel. Donc, j'ai pris le jeu et je lui ai demandé de me choisir quelle carte correspond pour elle à son féminin, quelle carte à son masculin. On les a mis sur son corps, c'est passé direct. Donc, puis après. Ok. C'est un jeu qui peut vraiment être expérimenté. Donc, voilà, c'est une énergie que vous pouvez utiliser dans votre pratique quotidienne. Ou juste, tiens, quelle énergie ? J'ai une amie, elle le tire tous les jours, quelle énergie du jour ? Et elle me dit à chaque fois, ça tombe juste. Ben, je dis, ben voilà, il n'y a pas. C'est comme moi, hein. Moi, c'est pas dans cette de cuisine. Donc, vous avez les messages à lire avec discernement, les exercices, pareil, à faire, ça vous fait du bien. Et puis, voilà, c'est un guide pour vous aider à vous développer, à vous retrouver vous-même. Voilà un petit peu l'idée. Voilà. S'il y a d'autres questions, je suis là. Si les personnes voilà, ont des questions qui viennent après, bah, je vous mets mes coordonnées. Et en souhaitant que bah, les associations comme vous, qui m'ont accueilli aujourd'hui, continuent à diffuser ce message, malgré les circonstances qui empêchent de se réunir. Voilà, que je vous remercie aussi Isabelle, Audrey, Jean-Marie et Sandrine de diffuser ce message, parce que bah, sans vous, je ne peux pas toucher autant de personnes et je ne peux pas diffuser cette... l'enseignement qu'on me transmet, que mes guides me demandent de transmettre. Voilà. Nous sommes tous amour. Et... Ouais, c'est vrai, un grand merci à tous. Voilà. Un grand merci à tous, un super moment, un super partage, des énergies, mais fabuleuses. Donc oui, merci aux associations, c'est super. Voilà. Merci à toutes et à tous. Faites-vous du bien et prenez soin de vous surtout. Écoutez-vous et écoutez vos cœurs dans ce moment extrêmement secouant. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup à tout le monde, tous ceux qui ont pris le moment de venir nous rejoindre pour partager et puis profiter de cette belle expérience. Merci à Jean-Marie et à Audrey d'avoir associé leurs belles énergies avec leur association. Et on va recommencer à faire quelque chose de super en intégrant, je l'espère, Sandrine et puis pourquoi pas d'autres éventuellement. Parce que maintenant qu'on est sur la lancée, je pense qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Et à bientôt. À bientôt. On vous embrasse tous. Gros bisous. Plein de gros bisous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.